Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Coucou toi, ça va? Enchanté de te rencontrer, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Nous sommes le 1er septembre, on est passé au mois de septembre, ça y est, 2022, il est 19h, il est 20h23. C'était la seule fois de ma vie que je pouvais le dire sans mentir, donc j'en profite un petit peu. Aujourd'hui, nous allons continuer notre let's play sur le jeu Professeur Layton et l'appel du spectre, du coup, regarde ça, ça ressemble à ça un petit peu, enfin juste au-dessus de ma tête. Un jeu sur Nintendo DS, on a déjà fait 2 épisodes sur ce jeu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 3. Et donc on est encore loin de la fin de l'histoire, tout ça. Et il nous reste encore pas mal de petites énigmes. Donc voilà, c'est un live où on va résoudre des énigmes. Donc si tu veux faire travailler un petit peu ton cerveau, tu es au bon endroit. Voilà, je rappelle à ceux qui me regardent en direct sur Twitch, s'il vous plaît, pas de spoil, ça serait vraiment cool de votre part. Pas de spoil pour moi, déjà, bien que quand il y a une énigme, je fais attention à ne pas regarder le chat. Mais pour les autres personnes qui sont dans le chat et qui voudraient résoudre les énigmes d'eux-mêmes dans leur tête. Donc si vous ne connaissez pas le jeu, chute. Et par contre, si vous ne connaissez pas le jeu et que vous essayez de résoudre les énigmes en même temps que moi, bah c'est super cool, merci de jouer le jeu. Mais si vous pensez avoir la réponse qui en plus potentiellement est la bonne réponse, ne l'écrivez pas dans le chat. Parce que indirectement, vous allez peut-être spoiler les autres. Et puis il y a des bans et tout ça, donc voilà. Du coup. Allez YouTube, je te souhaite une très bonne rediff. Et Twitch, du coup, on est parti pour la suite du jeu. Je vais couper la musique et résumer des épisodes précédents. Puisqu'ils ne peuvent avoir accès au rapport de police, ce qui est vrai, Amy, rappelez-vous, elle est partie. Elle s'est proposée d'aller à Londres pour aller chercher les dossiers. Et Amy reviendra-t-elle avec les documents et les rapports dont Layton a besoin? Point d'interrogation. Londres et ses secrets. Est-ce qu'on va vivre un chapitre seulement avec Amy? Peut-être qu'il va résoudre des énigmes elle-même tout seule, ce serait ouf ça. Ah, je pense que oui. Potentiellement, donc elle est à Londres. J'ai eu de la chance, il n'y avait pas beaucoup de circulation. À présent, allons chercher les papiers dont le professeur a besoin. Voyons voir, où est-ce que je vais pouvoir trouver ces notes? On joue Amy, c'est vraiment cool. Faut d'abord que je trouve les notes du professeur. Eh bien écoutez, on va aller à l'intérieur de l'établissement. Regarde, et c'est sur la gauche apparemment. Bonjour, t'as une énigme? J'adore les lives Layton qui commencent direct avec une première énigme pour nous mettre dans le bain. Bien que le live slash rediff précédente qu'on a fait, la première énigme à 1 milliard de picarates, ça, elle m'a bloqué pendant 40 minutes, j'étais pas très serein. Mademoiselle Altava, Amy Altava, je sais pas si y a un jeu de mots, je vous cherchais justement. Monsieur le doyen, je crois qu'on l'avait vu dans l'épisode précédent, lui avec sa grosse tête, je me rappelle. Je ne vous ai pas vu à l'université et j'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Pas du tout, j'ai rencontré le professeur Layton qui se rendait sur les lieux d'une enquête. Je l'ai donc accompagné hors de la ville, je suis revenu chercher des documents dont il avait besoin. Je vois, tout va bien alors, si je comprends bien. Herschel n'est pas en ville pour le moment. Et j'ai peur que non, je suis désolé que nous ayons dû partir sans vous mettre au courant. Ce n'est pas grave, il devait prendre quelques jours de congé de toute façon. Je suis sûr qu'il écrira un excellent article à son retour. Si vous cherchez le bureau du professeur, vous le trouverez dans ce couloir. Merci beaucoup. Au fait, mademoiselle Altava, si vous n'êtes pas trop pressée, j'aurais besoin de votre aide. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il se trouve que j'ai quelques difficultés à résoudre cette énigme. Ma petite fille m'a mis au défi de la résoudre, mais je dois avouer que la solution m'échappe totalement. Malgré tout, je ne peux pas m'avouer vaincu. Que penserait ma petite fille? Ne vous en faites pas, je vais faire de mon mieux pour vous aider à résoudre cette énigme. Let's go, on y va. Alors, 20 picarates, ça devrait peut-être aller. Merci Ilias Potter qui a resub pour ses 1 an. Déjà 1 an de sub, rien de spécial à dire à part que je te suis depuis longtemps. Et c'est encore aujourd'hui toujours un plaisir, des bisous à toi, aux modérateurs, au chat et au chat. Merci beaucoup pour ce message, c'est très gentil. Merci Just Green qui a resub pour son 3e mois, coucou à toi. Merci Lord McBee qui a resub pour son 17e mois, merci beaucoup. Cette étagère est remplie d'ouvrages encyclopédiques, aussi volumineux que lourds. Ils ont tous la même profondeur et tiennent parfaitement sur l'étagère. Peu importe qui vient les consulter, l'une de ces encyclopédies n'est jamais retirée en premier. Quoi? Aussi gros que lourd, même profondeur, tiennent parfaitement sur l'étagère. Peu importe qui vient les consulter, l'une de ces encyclopédies... Ah, il y a un livre qui n'est jamais retiré en premier. Saurez-vous trouver laquelle? Touchez l'encyclopédie pour donner votre réponse. Pourquoi il y en aurait un qui serait jamais... Ah, attends. Ok, j'ai compris la logique. Ils ont tous le même poids. Non, ils sont tous aussi volumineux. Je crois comprendre. Dans ma tête, c'est le 8. Je vais vous expliquer pourquoi. si je comprends bien, la question c'est, il y en a un que tu peux pas retirer en premier, t'es obligé de retirer un autre livre. Logiquement, le 2, t'as juste à placer ton index ici, tu peux le retirer. Pareil pour le 4, pareil pour le 6. Le 5, tu peux faire pareil, tu peux placer ton index. Le 3, tu places ton pouce et ton index ici, et tu le tires comme ça. Le 1, tu peux réussir à le faire glisser comme ça. Le 7, pareil. Par contre, le 8, il n'y a aucun moyen d'y accéder. Si le 7 et le 8 sont au même niveau, tu es d'abord obligé d'enlever le 7 pour ensuite récupérer le 8. Donc, l'une de ces encyclopédies n'est jamais retirée en premier. Selon moi, c'est la 8. Je me charge de cette énigme. C'était une énigme très facile pour commencer ce live, ça fait plaisir. Voilà, c'est exactement du coup, tu peux pas le tirer avec l'index, tu peux pas le tirer comme ça. Voilà, voilà. Donc c'est bon, ça commence tout tranquillement, ça fait plaisir. Voilà, on s'échauffe. Très bien dit ça, Nomukoto dans le chat, on s'échauffe exactement. Je suis sur Kershel et vous allez former une excellente équipe, mademoiselle. Continuez comme cela. Vous pouvez me faire confiance, monsieur, le professeur Layton est entre de bonnes mains. Je n'en doute pas, à bientôt. On va chercher des petites pièces tant qu'on y est, hein, ça fait pas de mal. On met tout sur le compte commun avec Layton. Et voilà. Alors il m'a dit d'aller là-bas. C'était la game de chauffe. Exactement, Siam. Le professeur est parti hier et il avait l'air pressé. Je ne l'ai pas vu depuis. Oui, je suis au courant. Mais qui êtes-vous et que faites-vous dans le bureau du professeur? Je pourrais vous poser la même question. Je m'appelle Rosa, je suis la femme de ménage. Oh, toutes mes excuses, je suis la nouvelle assistante du professeur Amy Altava. Je suis ravie de faire votre connaissance, Rosa. Mais tu travailles ici, t'avais jamais rencontré la femme de ménage? De même. Alors comme ça, vous êtes la nouvelle assistante du professeur? Je me demande si c'est pour cela que le doyen d'Almona voulait lui parler. Le professeur m'a demandé de venir récupérer certains papiers. Ah, bonne chance, le rangement de son bureau est une énigme qu'il n'a pas encore réussi à résoudre. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Je peux peut-être vous donner un coup de main. Il faut que je lui ramène ses notes, ainsi que tous les journaux récents que je pourrais trouver. Ces notes et des journaux? Très bien, voyons voir. Donc du coup, tu ne cherches absolument pas, en fait. Alors les notes, on va les voir là-bas. Et il y a une énigme. Voilà donc le bureau du professeur. Tiens, qu'est-ce que c'est que cela? Une énigme? Elle va résoudre l'énigme sur laquelle le professeur est bloqué depuis 10 ans, peut-être, t'imagines? Merci beaucoup Estelle K18 qui arrive pour son 3e mois. Mais je crois que je l'ai... Non, je l'ai pas lu. Je sais pas si je l'ai lu. Bon, je le relis. 3 mois déjà. Trop contente de te connaître grâce au professeur Layton. Non, je l'avais pas lu. Profite bien de la saga. Mais merci toi aussi. Merci Anaïs Chanel qui arrive pour son 17e mois. Farod, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que je suis très contente de faire partie de cette... Je sais pas lire. De faire partie de cette communauté incroyable. Par contre, vous puez tous. Malheureusement, je peux pas rester. Je vais dormir. Demain, le boulot commence à 4 h du mat. C'est difficile. Tu dors dans 7 h 30. Waouh. Bon courage. Enfin, tu te réveilles, je veux dire. Bon courage. Angie Serena arrive pour son première année. 1 an. 1 an déjà rempli de super live, plein de gros cœurs pour toi ainsi que pour les modos et le chat. À une année suivante. Merci beaucoup. Je suis pas original, Harry Sub pour son 8e mois. Let's Go serait à beau encore sur du Layton. Je crois que j'aime bien ne plus avoir de cerveau. Bonne chance pour les énigmes et bonne soirée à tous. Bonne soirée à toi. Keyluvza, ouais, 400 bits, merci. Et enfin, Luchara, Harry Sub pour son 5e mois. Je m'abonne à nouveau sur tes lives. Enfin, tes lives sur Professeur Layton sont toujours aussi sympas à suivre. Et j'ai hâte de continuer l'aventure avec cette communauté qui pue. C'est pas faux, ça. Hein. Effectivement. Alors, il est possible de former un nouvel objet à partir des 3 pièces qui constituent ce vieux sac. Effectivement, c'est un vieux sac. Pensez à reposer l'objet formé sur la table près de l'endroit où se trouvait le sac. Oula, c'est quoi cette deuxième... Alors, j'ai compris qu'on va pouvoir s'amuser à créer quelque chose. Par contre, pensez à reposer l'objet... formé sur la table près de l'endroit. Alors moi j'imagine qu'on va créer quelque chose avec le trou des pixels comme ça. Mais peut-être que je me trompe complètement. Oh. Imagine je fais quelque chose comme ça. Imagine je fais quelque chose comme ça. C'est pas foufou. C'est pas foufou du tout. Attends. Qu'est-ce que je pourrais faire de bien foufou? Un objet. Ou peut-être que non, ça sera pas avec les espaces vides. J'ai essayé de pré-shot l'énigme, mais pas du tout. Donc là, on avait le... Si je le remets comme ça, c'était le sac de tout à l'heure. Hein. Attends. Attends, on va annuler. Oui, vous m'avez fait un petit sac. Il est possible de former un objet, un nouvel objet à partir des 3 pièces qui constituent ce vieux sac. Pensez à reposer l'objet formé sur la table près de l'endroit où se trouvait. Je comprends pas cette deuxième phrase, par contre. Elle me stresse. Et si je me mettais comme ça... Non, je l'ai déjà fait. Ça n'a rien montré d'intéressant. Est-ce que ça crée un objet particulier? Vous voyez quelque chose, là? Attends, hop. Non, non, il n'y a rien de fou. C'est pas un objet particulier, ça. Et si je m'amusais à les mettre dos à dos? Ça fait quoi? Ça fait pas un chapeau, ça, des fois? Putain, ça fait le chapeau de Layton. Ça fait le chapeau de Layton, je suis con. J'aurais dû penser que ça allait être son chapeau à la fin. Aucun problème. Ah, chapeau, ok. Enfin, chapeau, c'est un mauvais jeu de mots. Pas mal. Le professeur Layton serait vraiment perdu sans son outfit. En plus, c'est une énigme dans son bureau. C'était évident. Bien sûr, je me demande ce qui a poussé le professeur à laisser cette énigme ici. Enfin, il doit bien avoir ses raisons. Je suis son assistante, je lui fais entièrement confiance. De plus, je suis tout à fait capable de résoudre les énigmes qu'il voudra me soumettre. Très bien, très bien. Les voilà, les notes et les journaux. Tous, tout au même endroit. Vous avez tout trouvé, bravo, ce n'est pas évident de trouver quelque chose dans tout ce bazar. Merci pour votre aide, Rosa, je devrais ramener tout ça au professeur à présent. Bien sûr, veillez bien sur lui, je vous prie. Ok, t'aurais pas une énigme? Non, t'as pas d'énigme. Il est tellement plongé dans son travail qu'il en oublie de prendre soin de lui. D'accord. Pas d'énigme cachée encore un peu. Ah, on n'est pas dans le bureau du professeur pour rien. Le tiroir ne ferme pas bien, je crois qu'il y a quelque chose qui bloque. Ah... Ok, let's go. 45 picarats, waouh, ça rigole pas ici. Ça rigole pas du tout. Merci, empereur Potato qui arrive pour son 14e mois. Prêt à te casser la tête, let's go alors. Oh mais c'en est une autre. Ce haut de forme était un vieux sac. Attends, ce haut de forme était un vieux sac et prend beaucoup de place. Connaissez-vous un moyen de le faire rétrécir? Bien entendu, les pièces ne doivent pas se chevaucher. Yes. Oh là. Il est un petit peu plus grand. Je pense qu'on va faire ma théorie de... On va créer un chapeau avec l'ombre. Comment je vais faire ça d'ailleurs? Comme ça. Mais peut-être qu'il faudrait que je... Ouais, attends. Attends. Regarde, on va créer un chapeau. Non, attends, je voulais pas faire ça. Comme ça. Je me charge de cette... Alors, vous avez peut-être pas vu ce que j'ai fait. Mais en fait, c'est avec le vide que j'ai créé le chapeau. Réussi. Enfin, je crois, si je me trompe pas. Oui, voilà, tu crées le chapeau, en fait, avec le vide. Et donc, j'ai rendu le chapeau plus petit. Ouais, tout à fait, ouais. C'est strat. Je n'aurais jamais pensé trouver une énigme cachée dans un endroit pareil. C'est pas le bureau du professeur pour rien. Alors, il n'y aurait pas une dernière, des fois? Non, il y a une pièce. Tiens, tiens, une pomme. Quel hasard. Allez, on repart. Mais oui, c'est ça. T'as entièrement raison, Eluni. En fait, j'ai l'habitude des mécaniques des énigmes de Layton, maintenant. Avant, j'aurais mis plus de temps à comprendre, mais là, j'ai compris comment certaines énigmes, elles réfléchissaient. J'ai récupéré les affaires du professeur, je dois encore passer par les archives de Scotland Yard. Avec l'aide de l'inspecteur Groski, je devrais pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin. J'espère qu'il sera là. Il n'y a qu'une seule manière de le savoir, prendre le scooter, ou tu peux aussi lui téléphoner, et aller jusqu'au siège de Scotland Yard. Eh ben, vas-y, let's go. Je suis prête à partir. Je suis parti, let's go, on y va? Alors... Nous y voilà, Scotland Yard. Je dois maintenant trouver l'inspecteur Groski pour qu'il me donne accès aux archives. On va chercher d'abord des petites pièces. Là, la boîte aux lettres, là-dedans. Hop, dans la tour, non. Voilà, il y en a peut-être une dernière qui traîne. Voilà, on va là-dedans. Bonjour. Hein. Excusez-moi, monsieur l'agent, je cherche l'inspecteur Groski. Bonjour mademoiselle, l'inspecteur Groski, c'est cela, il n'est pas ici. J'en ai peur. Vous avez peut-être un message? Oh, il n'est pas là, mince. Je suis pressé, je dois jeter un œil à vos archives. Désolé mademoiselle, mais je ne peux pas vous aider. Je ne suis qu'un humble agent. Pourquoi voulez-vous voir les archives au fait? J'ai besoin de consulter les rapports concernant une ville du nom de Mistaléry. Mistaléry? C'est au milieu de nulle part, non? Il paraît que leur commissaire est un as. Mais vous savez, on ne conserve pas tous les rapports des affaires hors de notre juridiction. En tout cas, il vous faudra voir ça avec l'inspecteur. Il est le seul qui pourra vous aider. Très bien. Pouvez-vous au moins me dire où il se trouve, l'inspecteur Groski? Malheureusement, je l'ignore, je suis désolé. Essayez donc de demander à mes collègues. Vous pourriez peut-être vous renseigner au secrétariat au premier étage. Je pourrais, et je pense qu'on va faire ça, oui. Hop, on cherche les piécettes un petit peu. Trop de messages de boîte de dialogue. Voilà, piécette. Hop, bonjour. Hein. Oh non, Monica, c'est toi? Amy Altava, je n'arrive pas à y croire, ça faisait si longtemps. Peut-être pas assez. Oula, elle se déteste. Qu'est-ce que tu fais à Scotland Yard? Tu t'es perdu? En fait, je suis au beau milieu d'une enquête. Une enquête très importante. Ah vraiment, une enquête très importante. Et tu viens ici à Scotland Yard? Tu es venue demander de l'aide à l'inspecteur Groski parce que tu ne t'en sors pas toute seule. Mais oui, Monica, c'est tout à fait ça. Dis-moi, est-ce que tu sais où est l'inspecteur? Aucune idée. Mais je sais qu'il est sur une affaire au centre de Londres, depuis des semaines. Ah, merci Monica, tu m'as beaucoup aidé. Salut! Pourquoi les gens viennent-ils toujours me harceler? Je sais pas, c'est peut-être ton métier en fait de répondre aux questions. On va partir dans Londres, on va aller se balader en scooter. C'est parti. Si Groski enquête au centre de Londres, je devrais aller au centre-ville. Toute enquête commence par une collecte d'informations. Interrogeons donc les passants. Oh ok, je pensais que tu voulais y aller en moto, juste. Allez, une énigme, c'est parti. Excusez-moi, auriez-vous vu passer un officier de police du genre costaud? Eh bien, deux types bizarres sont passés en courant il n'y a pas très longtemps. L'un d'eux est sans doute l'homme que je cherche. Par où sont-ils allés? Et pas si vite, vous devriez arrêter de courir et prendre le temps d'admirer mes fleurs. Ouais, pourquoi pas? Vous savez, il faut prendre le temps de vivre, c'est le secret du bonheur. Je peux même vous proposer cette énigme pour vous aider à vous détendre. On est encore avec le corbeau, avec la voix d'Harry Potter. C'est le même jeu, oui, mais on l'a pas revu depuis un moment, par contre. Ouais. Merci à MJust Luna pour les 26 mois de resub. Effectivement, ça commence à faire un petit peu beaucoup, Luna. À peine beaucoup, pas plus que beaucoup. Voilà. Merci Léane, la cousine des ânes. Oui. Qu'elle soit mon prime. Pour la première fois de toute sa vie, je te souhaite un très bon live. Un jeune homme veut acheter un bouquet composé de 3 fleurs. Ok. Pour l'instant, ça va. Tout tient. Il explique au fleuriste qu'il compte d'abord jouer au jeu du... elle m'aime pas. C'est genre, tu enlèves les pétales. Alors, il demandera s'il sera... Après, il demandera s'il sera heureux ou triste. Ou un peu des deux. Puis, s'il doit offrir un bouquet, un gâteau, une bague ou un livre à sa fiancée. Le dernier pétale donnera à chaque fois la réponse. Rusé, le fleuriste choisit un bouquet avec lequel il obtiendra la meilleure réponse de chaque fleur. Lequel lui vend-il? Alors il va choisir elle-même, il va choisir heureux, et après, s'il doit offrir un bouquet, un gâteau, une bague ou un livre. La meilleure réponse pour le fleuriste, c'est un bouquet, pour qu'il vende, on est d'accord. Ou alors c'est la bague parce qu'il la demandera en mariage. Bon, et du coup on doit juste compter le nombre de fleurs, c'est ça. Mais on sait même pas par quelle fleur il va commencer. Bon, elle m'aime pas. On est d'accord qu'il commence par elle-même. Imaginons celle-là. M, aime pas. 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 M. Donc celle-là, ça marche. Ah, mais elles ont toutes le même nombre de pétales. Ah, comme c'est intéressant. Et il y en a qu'une seule qui a un chiffre pair. Là, on est à 3. Heureux, triste, les deux. Heureux, triste, les deux. Heureux, triste, les deux. Heureux, triste, les deux. Heureux, triste. Ah, ça marche pas. Heureux, triste, les deux. Heureux, triste, les deux. Heureux. Là, ça marche. Et aime pas. Aime pas. Aime pas. Aime pas. Aime. Ça marche. Bouquet, gâteau, bague, livre. On va dire que bouquet, c'est le numéro 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Le 3, c'est la bague. Moi, je trouve que la bague, c'est une bonne réponse aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Le 2, c'est un gâteau, c'est pas fou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Et on finit avec un livre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3, c'est une bague. Mais en vrai, il n'y en a aucun des 4 fleurs là qui propose de tomber pile sur un bouquet s'il commence avec bouquet. Donc moi, j'aurais tendance à dire que rusé, le fleuriste choisit un bouquet avec lequel il obtiendra la meilleure réponse de chaque fleur. Moi, je pense que la meilleure réponse, c'est bague. Et donc, c'est celui-là qui complète les 3, selon moi. Je suis plutôt confiante. Merde, mais quoi? C'est pas ça. Il va falloir que j'essaie à nouveau. Où est-ce que je me suis trompé? Oh non, je me suis trompé. Le dernier pétale donnera à chaque fois la réponse. Et toutes les fleurs derrière ont le même nombre que la première. Rusé, le fleuriste choisit le bouquet avec lequel il obtiendra la meilleure réponse de chaque fleur. Elle m'aime, elle m'aime pas. Mais la meilleure de chaque fleur, c'est elle-même, c'est heureux. Je vois pas pourquoi triste ce serait une bonne réponse, ou un peu des deux. Après, voilà. Bouquet, gâteau, bague et livre. Mais il va commencer par bouquet. 1, 2, 3, 4. Attends. Va acheter un bouquet composé de 3 fleurs. Il explique aux fleuristes. C'est dans l'intérêt du mec qu'il achète un deuxième bouquet par la suite. Mais je recommence. Peut-être j'ai mal compté. Je recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Là, on termine avec une bague. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Là, on termine avec une bague. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, on termine avec un livre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ah, par contre, là, on termine avec le bouquet. Et alors les autres questions, c'est quoi? Heureux, triste, tous les deux. Donc on va dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. On tombe sur heureux. Mais attends, mais pourquoi je suis gouré tout à l'heure? Elle-même, elle m'aime pas. 1, 2. Enfin, elle-même, elle m'aime pas. Elle-même, elle m'aime pas. Elle-même, elle m'aime pas. Elle-même, elle m'aime pas. Elle-même, elle aime pas. Elle-même, elle aime pas. Elle aime. J'ai fait n'importe quoi. Comment j'ai pu me gourer à ce point? Mais comment j'ai pu me gourer à ce point? Génial. Bah je me suis trompé. Je comprends pas comment. Le fleuriste a vendu la fleur à 13 pétales au jeune homme afin qu'il obtienne elle-même heureux et bouquet. Il est compréhensible que le fleuriste espère que le jeune homme revienne le voir après s'être trompé sur tombé sur bouquet. Ouais d'accord. Donc la bonne réponse était bouquet pour le fleuriste et pas la bague pour le gars. Tu avais recompté la première pétale GG. Ah, c'est trop bien, le loser. Aucune énigme ne résiste à l'assistante du professeur Letton. Maintenant, je pense que vous êtes suffisamment détendu pour reprendre votre chemin. L'homme que vous cherchez est parti de l'autre côté de la rue en direction du musée. Merci beaucoup. Bien, il est temps de se remettre au travail et de retrouver l'inspecteur Groski. Elle n'est peut-être pas prête pour le secret du bonheur. Ah, ok. On va continuer là-bas. Une énigme? Pas d'énigme. Ouh, elle a des cœurs à la place des yeux. Inspecteur, vous avez l'air très en forme aujourd'hui. Regardez-moi ces muscles, oh là là. Est-ce que l'inspecteur Groski est passé par ici? Oh que oui, j'ai même pu le voir en action en train de traquer un dangereux criminel, j'imagine. Par où est-il allé? Il a poursuivi le malfrat dans cette direction. Et maintenant, c'est moi qui vais le poursuivre. Mais je veux essayer... Elle a des bras, c'est des allumettes. Je vais essayer de rester discrète. Je devrais peut-être juste trottiner derrière lui. Vous devez être une amie de l'inspecteur Groski? Je suis en fait la fondatrice, la présidente et l'unique membre du fan club de Clamp Groski. Nous avons besoin de plus de membres. Au moins un pour chacun des muscles de Clamp. Chelou. Vous semblez intéressé par l'inspecteur Groski. Que direz-vous de devenir membre? Non, sans façon. Merci, mais non merci. J'ai peur. Voilà une pièce. Voilà 2 pièces, voilà 3 pièces, c'est génial, on continue. Tu danses bien, toi. Et t'as une énigme en plus, c'est génial. Bonjour, je cherche un inspecteur de police solidement charpenté. L'auriez-vous vu passer par ici? Je crois, oui. Il se battait avec un autre type. Ils sont passés comme une tornade. L'homme contre qui l'inspecteur se battait ne se laissait pas faire. C'était un combat épique. Oh non, je dois absolument l'aider. J'arrive, inspecteur. Une seconde, mademoiselle, je ne vous ai même pas dit par où ils étaient partis. Je vous aiderai si vous acceptez de m'aider à résoudre cette énigme. Merci beaucoup à Kirenjo pour le deuxième anniversaire, 2 ans de resub, 24 mois, merci beaucoup. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à Kirenjo, joyeux anniversaire. Et merci à SickTay04 qui a sauvé mon Prime pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue à toi et merci beaucoup. Une jeune femme vient de s'apercevoir qu'elle a perdu son parapluie. Point. Elle pense l'avoir oublié au restaurant et le décrit ainsi au téléphone. Alors son manche, il est bleu, il est bordé de rouge et son motif, il est circulaire. À quel parapluie fait-elle référence? Choisissez le bon entre A et D. Alors je sens la douille de... Ah ben en fait c'est celui-là parce qu'en dessous du manche rouge, il a un manche bleu. Son manche est bleu. Voilà. Enfin donc ces trois-là. Son manche est bleu, il est bordé de rouge, il est bordé de rouge, donc là, le bord est rouge, bord est rouge et bord est rouge, et son motif est circulaire, attends, son motif est circulaire, mais une fois déplié, ça fait des cercles, ça fait un cercle, ça fait un cercle, ça fait un cercle, ça, une fois déplié. Ça fait un motif à poids. On peut pas appeler ça un motif circulaire. Ça encore moins. Et ça encore moins. J'aurais tendance à prendre celui-là. Manche bleue, motif circulaire et bordé de rouge. Avec le bord rouge comme ça. Je dirais le A. J'espère que je me trompe pas. Je me charge de cette énigme. Faut l'imaginer ouvert, c'est pour ça. Aucun problème. C'est ça, motif circulaire. Et bordé de rouge. Voilà. Ok, bon ça va. Ça va. Oui, bravo, pour vous remercier, je vais vous aider à retrouver votre inspecteur. Vous voyez le musée là-bas? L'inspecteur et l'homme avec lequel ils se battaient, ils sont entrés. Le musée compris, merci bien. Let's go in the musée ou quoi là? Ouais, elle était assez simple, ça va. Let's go, on enchaîne les énigmes. Déjà vous. Le conservateur adore les chats. Il lui arrive même de communiquer en miaulant, figurez-vous, ce qui est pas du tout bizarre. Si, je déconne en fait, c'est très chelou, à l'aide. Il sait aussi parler normalement, bien sûr, mais rarement aux gens qu'il ne connaît pas. Oh, ne lui dites pas que je vous ai dit ça, d'accord? Tenez, je vous offre une énigme. 30 picarats. Un homme a réussi à perdre son groupe dans un musée de sciences et techniques. Depuis une salle éloignée, il peut entendre le guide décrire une des pièces exposées. Parmi toutes les pièces de ce musée, c'est celle qui nous vient du plus loin. C'est celle qui nous vient du plus loin. Il parle de une pièce. Elle n'a pas été façonnée par l'homme, et bien qu'elle soit extrêmement rare, on en trouve de temps à autre aux 4 coins de la planète. Dans quelle salle sont-ils? Ah, 4 coins de la planète, j'aurais tendance à penser à une météorite. C'est celle qui nous vient de plus loin, donc la Lune, par exemple, ou de l'espace. Elle n'a pas été façonnée par l'homme, et bien qu'elle soit extrêmement rare, on en trouve de temps à autre aux 4 coins du monde, parce qu'il y a des petites météorites qui tombent sur la Terre de temps en temps, quoi. Voilà, ça va pas être un animal, le dinosaure non plus, les poissons non plus... Non, ouais, moi je verrais bien la météorite. Dans quelle salle sont-ils? Mais vraiment, enfin, quand j'ai lu la description, j'ai pensé à une météorite et j'ai regardé s'il y en avait. Ouais. J'ai pas eu le temps de regarder les dessins. Le guide était en train de représenter la météorite, une des pièces maîtresses du musée. Let's go. Et oui, la plus éloignée dans l'espace, pas sur Terre. Les fossiles que l'on voit au musée ont été trouvés par un professeur de l'université de Gressenheller. Je crois qu'il s'appelait Schrader, et il avait un assistant aussi, un certain Triton, il me semble. Triton, le nom de famille de Luc. La paléontologie est une activité passionnante, on passe son temps à déterrer des trésors. Tu m'étonnes. Oh, l'énigme avec le dinosaure. Est-ce que c'est un vrai dinosaure? Il n'y a que les os, mais je sens qu'il me regarde. Qu'est-ce que c'est? Il y a une énigme sur le cartel du squelette. Le cartel de ce... Je sais pas ce que c'est un cartel. Hein. Le cartel de ce squelette préhistorique donne... Ah, le panneau, peut-être, d'information. Il dit quoi? Il est possible de déterminer le nombre d'os qui composent ce squelette simplement en le regardant de près. Donc il va y avoir des numéros cachés dans le squelette, préparez-vous. D'après un visiteur du musée, ce nombre est forcément de l'ordre de plusieurs centaines. D'accord, donc un nombre à 3 chiffres. Quel est le nombre exact? Alors... Là déjà je vois, il y a un truc bizarre là. Là, j'arrive à lire, si tu mets ta tête à l'envers, un 3 là. 3... 2... Et là... un 6. Regardez mieux. Alors c'est soit à l'envers 326, soit dans ce sens-là et c'est un 9. Et c'est un 5. Attends. Comment on dessine un 5? Ah non, pas du tout. Sauf si je le regarde de l'autre côté, mais non, tout est inversé. Non, je dirais 326. Après là, il y a un truc, on dirait un peu un 2. Non, non, je vais rester sur 326. Ouais. Mais ça m'a l'air un peu trop simple. Ah mais 25 picarates. Ah oui mais c'est facile en fait. Je suis plutôt confiante. J'ai réussi. C'est moi qui ai réussi, qu'est-ce qu'elle dit elle? C'était pas trop les énigmes les plus compliquées pour l'instant. Ça va. Oh putain, j'ai frappé mon écran, ça fait un truc. Je zoome un petit peu. Hop, je me recadre. Comme je suis un peu loin de l'image. Assez simpliste celle-là, ça va. Quelle idée de cacher une énigme sur une flèche censée donner des explications aussi. Voyons voir, le donateur serait le docteur Andrew Schrader. Je ne savais pas qu'il aimait autant les énigmes. Une petite pièce. Quelque chose caché encore quelque part? Non. Alors nous allons monter les escaliers. Oh, mais alors, scène de crime ici, qu'est-ce qui s'est passé enfin? Monsieur, vous voulez qu'on parle? Pas d'énigme en plus. Oh, 3 points de suspension. Pardon monsieur, auriez-vous vu passer un officier de police du genre musclé? Miaou. Ah putain, c'est lui. Vous parlez comme un chat? Bon bah très bien. Aucun problème, j'adore les chats. Coucou Minou. Chelou. Tu as vu le gros monsieur de la police? Miaou, miaou, gre. Qu'est-ce que tu dis mon minet? Groski a renversé tous les présentoirs puis il a disparu? Miaou. Merci de ton aide mon chaton. Je retourne à Scotland Yard. Merci encore mon minet. Venez on fait comme si c'était normal. Venez on fait comme si c'était jamais rien passé en fait. Allez, c'était marrant. J'ai bien envie que Amy elle m'appelle mon chaton et mon minet là. Quoi? Allô? Allô? Mon micro il marche pas non? Il y a un bug? Je suis mon truc. Groski se bat contre un nouvel ennemi de la paix. Je me sens défaillir. Rattrapez-moi. Sans façon, inutile de faire un tel cinéma. Puh. On dirait que je suis la seule à être sensible à l'archétype du mal viril qui vient de passer. Quel courage. Il luttera sans relâche jusqu'à ce qu'il ait traîné ce criminel jusqu'au poste. Je vois. Je vais essayer de le rejoindre à Scotland Yard. Je vous laisse continuer à rêver. Elle a disparu si vite. Si Groski pouvait m'arrêter, je me retrouverais enfin entre ses gros bras musclés. Étrange réaction. On va aller donc... on retourne au commissariat. Si seulement l'inspecteur Groski pouvait arrêter de courir, je n'arriverais jamais à le rattraper. Oh Groski. Qui est-il? Oh, cinématique pour le présenter. Oh putain. Oh oui, il est... Attends, mais je confonds. Ah non, je croyais que c'était la mâchoire carrée, la Groski. En fait, non. C'est celui en bas à droite avec la banane sur la tête. Waouh. La baigne qui s'est pris. Oh, mais quand je vous dis que Amy, elle est incroyable. Elle est formidable. Bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Contente de vous revoir, inspecteur Groski. Oh, ça alors. Cool. J'aime bien quand il y a de la voix. Amy, il y a longtemps que je ne vous avais pas vu. Je commençais à m'inquiéter. Tout va bien? Tout va très bien, inspecteur. Mais qu'est-ce qu'il a là? Il respire un peu trop, non, ce monsieur? Et vous, comment allez-vous? Je suis en pleine forme, rien de tel qu'un peu d'exercice pour bien profiter de la journée. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? En vérité, j'ai besoin de votre aide. Il se passe quelque chose d'inquiétant en Mystalérie. Mystalérie, il y a encore des gens qui vivent là-bas? Très bien, racontez-moi tout. La ville subit des assauts, les assauts d'un monstre mystérieux. Il y a des raisons de penser que ces assauts ont un lien avec un événement survenu l'an dernier. L'événement en question n'est autre que le décès d'un des notables de la ville. J'espérais pouvoir obtenir des informations sur les circonstances de la mort. Mais dites-moi, comment vous êtes-vous retrouvé mêlé à cette histoire? Vous ne deviez pas vous poser et vous concentrer sur vos recherches? Cela dit, l'affaire m'intéresse. Si vous avez besoin d'un protecteur, je suis votre homme. Pour commencer, je peux d'ores et déjà vous accorder l'accès à tous les rapports de police. Oh, merci beaucoup, inspecteur. La salle des archives se trouve à l'étage en dessous. Bah putain, vraiment très très sympa de ta part pour le coup. Voilà la salle des archives, vous y trouverez tous les rapports dont nous disposons. Trouver ceux dont j'ai besoin risque de prendre plus de temps que je ne pensais. Ne vous en faites pas, je vais demander à quelqu'un de vous aider. Voilà Shelmei. Oh, ça me dit quelque chose ça, Shelmei. On peut dire qu'il tombe bien. Qui est-ce? Il vient juste d'arriver, il est nouveau, non? Je vous présente mon collègue, l'inspecteur Shelmei. Je vous rappelle que les jeux qu'on fait là actuellement se passent avant tous les autres professeurs Layton qu'on a fait avant. Entre nous, ils forment un duo étrangement assorti. Pourquoi y a-t-il une civile dans la salle des archives de Scotland Yard? Shelmei, je vous présente Amy, c'est une de mes amies. Elle a besoin de notre aide pour résoudre une enquête. Enchanté, inspecteur Shelmei, je m'appelle Amy Altava. Merci d'accepter de m'aider. Oh, pendant que j'y pense, j'ai quelques photos que j'aimerais faire développer. Sauriez-vous à qui je pourrais confier ma pellicule? Si c'est important pour votre enquête, nous allons nous en charger. Barton, agent Barton, à votre service. Barton, est-ce que vous pourriez aller faire développer cette pellicule? C'est très important. Aucun problème, mademoiselle, vous pouvez compter sur moi, c'est comme si c'était fait. J'espère que Barton s'en sortira. Commençons à éplucher ces dossiers. Shelmei, vous vous chargez de cette étagère. Pas de problème, qu'est-ce que nous cherchons au juste? Les rapports qui nous ont été envoyés de Mystalérie, merci de votre aide. Amy, commencez par cette étagère là-bas. Tu m'as pas dit exactement laquelle. Hop, une énigme, c'est parti. Si j'ai chaud, j'ai terriblement chaud. Les rapports sont classés par année, vous voyez. Vous cherchez une affaire en particulier? Eh bien, l'affaire qui m'intéresse remonte à l'année dernière. Les rapports de l'année dernière sont par là. Il nous faut donc passer tout en revue. Oh, même à deux, ça prendra du temps. Hop là, je coupe mon micro 5 secondes. Et je suis de retour. Il y a peut-être un moyen plus rapide de trouver le dossier qui contient ce fameux rapport. Merci beaucoup à Monichet qui a sub pour son 4e mois. Merci à FraxinusXX qui a sub en prime pour la première fois de toute sa vie. Merci beaucoup et merci à Pazé Froideur qui a resub pour son 28e mois. Yo, les 28 mois, que le temps passe vite, c'est toujours un plaisir de regarder tes streams et de pouvoir y participer. Encore un grand merci à toi et à la modération pour cette bonne humeur quotidienne et merci aussi au chat pour tout cet amour. Vous êtes un amour le chat bien sûr. Ok. Le dossier dont Amy a besoin se trouve sur une de ses étagères. Alors attention, on va se concentrer, on est à 30 picarats. Il est à deux dossiers d'un classeur étiqueté avec le chiffre 3. Donc le 3, donc deux classeurs, ça peut potentiellement être lui. Ça peut potentiellement être lui. Tiens, mais là il y a un 3, donc ça peut être lui. Et ça peut être lui. Là il y a un 3, donc ça peut être lui. Un 2, ça peut être lui. Là, il n'y a pas de 3. Attends, à deux classeurs. On compte les diagonales ou pas? Je sais pas. 3, ça peut être lui. 3, ça peut être lui, mais ça peut aussi être lui. 3, ça peut être lui, mais ça peut aussi être lui. 3, ça peut être lui, mais ça peut aussi être lui. 3, ça peut être lui, mais ça peut aussi... Ben voilà, c'est tout, du coup. Voilà. Il est également à 3 dossiers d'un... 3 dossiers? Il a 2 dossiers... d'un classeur... Attends, dossier et classeur, c'est la même chose. On est d'accord. Il est également à 3 dossiers d'un classeur dont le numéro comporte un 6. Dont le numéro comporte un 6, ok. Un 6, pas de 6, pas de 6, pas de 6, ok. Un 6, et c'est à combien? À 3. À 3 classeurs, donc 1, 2, 3. Voilà, tu marches aussi. 1, 2, 3, toi tu marches. Ensuite, là, il y a un 6, là. 1, 2, 3, tu marches aussi. Voilà. 1, 2, hop, on peut pas. Après, là, il y a un 6 ici. 1, 2, 3. Ok. Et ici, il y a un 6. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Il y a un 6. 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 ici. Pas de 6. Et dernier 6. 1, 2, 3 ici. Donc déjà, là, on prend en compte que ceux qui ont 2 barres. Et il est à 4 dossiers dans le classeur marqué d'un 9. Un 9 à 4 dossiers. 1, 2, 3, 4. Ok, un 9 à 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Bon, pour l'instant, ça marche sur personne. Un 9. 1, 2, 3, 4. Ça marche pas. Donc ça va se trouver en bas. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4, ok. 1, 2, 3, 4, oh, ça sent bon pour lui. Et lui, 1, 2, 3, 4, ok. Donc pour l'instant, c'est lui. Hein. Tous les dossiers mentionnés sont sur la même étagère. Oui, mais pas sur la même ligne. Donc pour moi, c'est lui qui a les 3 conditions du coup. Voyons ce que ça donne. Bon, c'était pas très difficile pour le coup. Génial. Ça va. On a vu plus dur. Hein. Parfait. Elles sont bien les énigmes ce soir. Elles sont toutes tranquilles, elles font plaisir. Hein. Regardez ça, ce ne serait pas le rapport que vous cherchez. On dirait que vous avez la main heureuse, Shelmay. Beau boulot. Que diriez-vous d'aller courir un semi-marathon pour fêter ça? Je crois que nous avons mieux à faire pour le moment. Je me demande où est passé Barton. Je suis là, chef. J'ai fait développer les photographies de Mademoiselle Altava. Vous avez réussi à faire ce qu'on vous avait demandé? C'est bien la première fois. Monica, la secrétaire, m'a donné un coup de main, chef. Elle s'est montrée très compréhensive. Je me disais aussi. Eh bien, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Merci pour tout, inspecteur. Bah, inutile de me remercier, Amy. Ce n'est rien du tout. Merci à vous aussi, inspecteur Shelmay. Je vous en prie, mais je dois avouer que quelque chose me perturbe. Vraiment? Quoi donc? Oh, qu'est-ce qui va se passer? Tenez, regardez ça. Ce rapport contient des éléments plus que suspects. Et les preuves sont si minces, regardez, il n'y a qu'une seule déposition. C'est louche. Bien vu, Shelmay. Vous pouvez faire confiance à Shelmay, Amy. Il a le nez pour ce genre de choses. Vous savez quoi? C'est décidé. Amy, je vous accompagne. Vraiment? Mais pourquoi? Shelmay, remplacez-moi pendant mon absence. Racontez ce que vous voulez aux Clampett. Les Clampett. Oh, vous parlez de cette femme qui vous suit partout. Je m'en occupe. T'as pas une énigme, toi, des fois, non? Vous pouvez partir tranquille. Merci, Shelmay. Ok. Allez, on s'en va. Ça va, le chat? Tout va bien de votre côté? Oh, c'est le bordel ici, un peu. T'as pas une énigme du peu que... Non, ça va. Passez une bonne petite soirée. Ouais, parfait. Ça va, tranquille. J'aime... J'ambiance le chat avec les blagues. Ah, c'est bien ça. Tout va bien. Bon, c'est formidable alors. Cool, je suis content. Bien en route pour Mystaléry, mon scooter est... Oh oh! Un problème? Eh ben, je suis venu en scooter et il n'y a qu'une seule place. Ce n'est rien, vous avez un scooter et moi j'ai mes jambes. On se retrouve à Mystaléry. Ben voyons. De toute façon, j'avais besoin d'un peu d'exercice. Vous avez vraiment l'intention de marcher jusqu'à Mystaléry? Marcher? Ne soyons pas ridicules, j'ai bien l'intention de courir jusqu'à Mystaléry. Ma rentrée demain, je stresse un peu. Oh! Mais ça va aller. Je te promets, ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas kiffer demain. Très bien, inspecteur. Alors, on se retrouve là-bas? Oui, je vous y attendrai. J'adore mon travail! Il a fait vibrer l'écran. Il est drôlement rapide. C'est ce qu'elle disait. Oui, bien sûr. Oh, il était très court, ce petit chapitre. Il nous aura duré 3 quarts d'heure à peine. Ça va vite. Le commissaire futé. Moi, demain, je rentre en terminale. Emploi du temps, c'est n'importe quoi. C'est marrant, vous ayez les emplois de temps en avance, vous. J'espère que tout ira bien pour Mademoiselle Amy. Bien sûr, Luc, il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour elle. C'est juste que... Elle est partie si vite, j'espère qu'elle n'aura pas d'accident. Allons, Luc, il est temps pour nous de reprendre notre enquête. D'accord, monsieur Layton. Quel est notre prochain objectif? Nous devrions essayer d'en apprendre davantage au sujet de monsieur Bard. Ariana a laissé entendre que son père n'était pas particulièrement apprécié en ville. Oh, eh bien... Est-ce que c'est vrai, Luc? Pour être honnête, monsieur Layton, je ne sais pas du tout ce que pensent les adultes. Ah, je vois. Mais il faut que nous en sachions plus au sujet, à ce sujet pour comprendre Ariana. Sans doute. Allons parler aux habitants. Et du coup, on va vivre un chapitre du coup sans Amy. Et du coup, le prochain chapitre, ils vont se retrouver. Il me manque des énigmes qu'on va faire dès qu'on croise El Gato. El Gato! El Gato! Pardon. Le chat! Trop hâte d'entendre la VF. Ce réverbère a dû être endommagé par le spectre. Oui, c'est fort possible. Il y a eu plusieurs attaques du monstre depuis la mort de Monsieur Bard. La plupart des maisons ont été reconstruites depuis, mais tous les réverbères n'ont pas été réparés. Luc, peux-tu me dire exactement où toutes ces attaques ont eu lieu? Là, tout de suite, je ne pourrais pas vous dire. Je ne les ai pas toutes en tête. Oh, mais il les a marquées sur un carnet. Merci beaucoup, Akemi, qui a ce bon Prime. Pour la première fois de sa vie, je te souhaite un bon live. Merci Vicky Luz qui a resub pour son 3e mois. Merci Sophia Maléfique qui a resub pour son 31e mois. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas, j'ai soigneusement noté tous les endroits que le spectre a attaqués. Je me suis dit que cela pourrait s'avérer utile un jour ou l'autre. Ça lit les pages. Je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas bien? Au contraire, Luc, tu as fait preuve d'ordre et de méthode. Je suis impressionné. Ces données me seront précieuses. Nous pouvons les utiliser pour tirer des conclusions raisonnées. Plus nous disposons d'informations fiables, plus nous avons de chances de parvenir à la vérité. Alors c'est utile? C'est même très utile. Excellent travail, Luc. Nous pouvons reprendre notre enquête. Excellent. T'as pas un truc à dire, non? De quoi? Vous voulez me poser des questions? Non merci, chez moi la paix. Vous ne pouvez pas interroger les gens comme ça sans autorisation. Je pourrais appeler mon père et vous faire arrêter pour ça, vous savez? Je crois savoir que votre père est un homme très respecté dans cette ville. Évidemment, c'est mon père qui a résolu l'affaire Bard. Rien de moins. Personne ne savait quoi penser jusqu'à ce que mon père prenne l'affaire en main. C'est donc votre père qui était chargé de cette enquête? Et comment? Il est en train de lui soutirer les infos. Il a fait du sacré bon boulot. C'est lui qui a trouvé le testament et le témoin. Cette ville a bien de la chance d'avoir un homme comme lui pour veiller sur elle. C'est remarquable. Je ne vous le fais pas dire. Luc, que peux-tu me dire au sujet de ce témoin et de ce testament dans l'affaire Bard? Rien du tout, désolé, j'étais si inquiet pour Ariana que je n'ai pas vraiment suivi l'enquête. Je comprends. Espérons qu'Amy pourra obtenir des détails sur cette affaire de son côté. Allez, on va aller vers la gauche. Énigme? Énigme! C'est cool! Vu la menace qui plane sur la ville, je songe parfois à rentrer chez moi, c'est vrai. Mais grâce au commissaire Jack, je me sens en sécurité. Il m'a même proposé de payer mon séjour gâché par le spectre. C'est l'avantage d'être à la campagne. La police se soucie réellement du bien-être des gens. Mais je dois avouer qu'en entrant dans Mistaléry, ça n'a pas été facile. J'avais lu un article sur le jardin d'or, c'est pour ça que je suis venu ici avec ma meilleure amie. Malheureusement, ils n'ont pas voulu nous laisser passer. Comment cela se fait-il que vous ayez fini par rentrer dans la ville alors ? La police bloquait la route, mais mon ami et moi avons trouvé un autre chemin dans les montagnes. Dès notre première nuit ici, la ville a subi une attaque de spectre. La police a bien agi, elle a fait évacuer le quartier, ce qui fait que je n'ai pas vu grand-chose. Et malgré cela, vous êtes resté ici? Eh bien, après avoir fait tout ce chemin, il aurait été dommage de ne pas rester. Et finalement, la police s'est montrée plutôt compréhensive. Mon amie a pris peur quand elle a entendu parler du spectre. Elle a décidé de rentrer. Tenez, on peut la voir sur une de ses photos. Pouvez-vous deviner qui est-elle? Oh, qui est-elle? On ne sait pas. Énigme 62. J'ai des tas d'amis. D'ailleurs, ma meilleure amie est sur une de ces 6 photos. Elle est blonde. Bon, pour l'instant, il n'y en a que 3. Elle ne porte pas de lunettes. Ça n'en fait plus que 2. Et elle a un grain de beauté sous l'œil droit. Sous l'œil droit. Mais l'œil droit... L'œil droit d'elle ou l'œil droit de nous? Parce que du coup, si elle, je la regarde, elle a un grain de beauté sous l'œil droit. Mais la blague, c'est que peut-être c'est son œil droit à elle. Et du coup, elle aurait un grain de beauté là. Et elle, comme on la voit pas, potentiellement, le grain de beauté, ben, c'est elle. J'aurais tendance à anticiper le fait que le jeu essaye de me piéger. Tu vois, on voit son œil à elle ici. Potentiellement, elle peut avoir un grain de beauté de l'autre côté. Non, je dirais que c'est elle. À moins que la blague, ce soit que... elle, par exemple, elle ait fait une teinture blonde, je sais pas. Non, je vais tenter elle, tu vois. Malgré le fait qu'on ne voyait pas l'autre œil. Je commence à comprendre comment il réfléchit le jeu. Il mourra pas. Il s'agit bien de la fille de la photo E, elle est blonde, n'a pas de lunettes et a bien un grain de beauté sous l'œil droit. C'est vrai qu'on ne voit pas son grain de beauté sur la photo, mais de toute façon, les autres filles ne correspondent pas à la description. Et ça, c'est très sournois quand on dit l'œil droit, c'est selon nous ou selon la personne en fait. Alors, mais au fait, avez-vous pu voir le fameux jardin d'or qui vous avait attiré ici? Hélas non, j'ai visité le site de fouilles mais il n'y a pas grand chose à voir là-bas. La plupart des archéologues sont partis à présent, mais j'aime bien cette ville alors je reste un petit peu. Bien sûr, la présence du spectre n'est pas très rassurante, mais cette ville a tellement de charme. On y mange bien, et c'est la police qui paye mon séjour, j'adore cet endroit. Je me demande si c'est vraiment le rôle de la police de payer les vacances des gens. C'est une manière pour le moins surprenante d'utiliser les fonds publics en effet. Énigme? Pas d'énigme. Il paraît que le commissaire est une sorte de super flic. Il est même surnommé le commissaire futé. On dit qu'il résout toutes ses affaires. J'imagine que c'est lui qui a enquêté sur le spectre. Un enquêteur qui a résolu toutes ses affaires sans exception, il doit être très doué. Certaines personnes sont douées pour les enquêtes comme d'autres sont douées pour la coiffure. Cela dit, la police a au moins le mérite de toujours évacuer les zones que le spectre attaque. Luc, n'as-tu pas dit que c'était Doland qui transmettait tes prédictions aux résidents ? Dolan transmet l'information à la police qui s'occupe ensuite de l'évacuation proprement dite. Je vois, cela explique la forte présence policière à Elinor un peu avant l'attaque. J'aimerais beaucoup rencontrer ce commissaire futé. Pourquoi ne pas l'inviter à prendre un thé avec la sorcière et le spectre dans le jardin d'or? Ce ne sont pas les curiosités qui manquent dans cette ville. Tiens, cela me fait penser que je n'ai pas encore visité le site de fouilles du jardin d'or. C'est pas loin, nous pouvons y faire un tour si vous voulez. En tant qu'archéologue, je peux difficilement résister à la tentation. En outre, nous avons un peu de temps devant nous avant le retour d'Amy. Allons-y, monsieur Layton. Le site de fouilles est à l'ouest d'ici. Merci d'accepter de faire ce détour, Luc. C'est très gentil de ta part. C'est normal. Cela fait partie de notre enquête, après tout. Qui sont bien élevés, tous les deux, là, dans leurs réponses. On va aller voir le site de fouilles, hein, qui est vers là-bas. Bonjour. Intéressant. Ceci ne semble pas être l'œuvre du spectre. Non, c'est la conséquence d'un affaissement de terrain. Plusieurs gouffres se sont formés en ville. Je me demande s'il pourrait y avoir un lien entre le spectre et ces affaissements de terrain. C'est sans doute un autre des super-pouvoirs du spectre. Bonjour toi, énigme! Énigme! Il m'arrive de me déguiser en corbeau noir moi aussi, mais je dois... Ah oui, mais c'est Gus, je reconnais. Mais je vous avoue que je déteste courir. Hein. Cléa et les autres disent que c'est parce que je suis trop lourd. Je devrais peut-être faire un régime. Mais ce serait bête de commencer maintenant, je viens d'acheter ce joli gâteau. Pourquoi ne pas en profiter pour le partager avec vos camarades? Le partager? J'imagine que c'est une possibilité, vous voulez bien m'aider? Merci beaucoup à LinkLord69 qui a resub pour son 15e mois. Félicitations à toi. Coucou Farod, savais-tu que le jeu a été retiré du eShop? Non, je ne le savais pas. Je savais pas, mais bon, le eShop de DS, c'est vraiment pas un endroit où je me connecte tous les jours. Si tu veux que je te dise. J'aimerais partager ce gâteau triangulaire avec mes amis, mais j'estime avoir mérité la part du lion. La part du lion? C'est une expression pour dire la plus grosse part ou il y a vraiment une tête de lion dans le gâteau? La plus grosse part sera pour moi. Ils pourront se partager l'autre qui fera 4/5 de la mienne. 4/5 de la mienne. Ah oui, il va se prendre une gigapart alors. C'est gentil de ma part, non? Les côtés du gâteau font 15 cm. À partir de combien de centimètres depuis le haut faut-il découper le gâteau? Ouf, je suis pas sûr de bien saisir là ce qu'on me demande. Je veux la plus grosse. La plus grosse part sera pour moi. Ils pourront donc se partager l'autre qui fera 4/5 de sa part à lui. Ou du gâteau. Parce que 4/5 du gâteau, je visualise 4/5 de sa part. Là, il y a un trait noir. Ou alors, ça, c'est juste une part, c'est pas le gâteau. Non, j'aimerais se partager ce gâteau triangulaire. Donc ça, c'est le gâteau. Oh, j'ai du mal. Et je vois bien qu'ils ont fait 4/5. Mais c'est pas du tout ça, 4/5. Les côtés du gâteau font 15 cm à part. Plus c'est une énigme à 25, ça n'a pas l'air très compliqué. Enfin, ça devrait pas l'être. Depuis le haut, à partir de combien de centimètres faut découper le gâteau? Genre pour faire 4/5. Ok. En gros, là, en haut, ça sera 4 à lui et 5 en bas. Donc c'est sa part. On va dire le gâteau entier, c'est sa part à lui. Comment je vais faire cette histoire? Je calcule le... l'air. C'est un triangle équilatéral. Donc c'est quoi pour calculer l'air? C'est base fois hauteur divisé par 2. La base c'est 15. Mais la hauteur... On n'a pas la hauteur. Alors non, c'est pas la bonne strat. J'essaie de réfléchir à un truc. Hop là. Ah non. C'est chaud. Vous l'avez ou pas, vous? J'arrive pas à... Moi, je trouve qu'elle est compliquée, mais s'il faut, elle est ultra simple et je m'en rends pas compte. Mais là, je l'ai pas du tout. Enfin, je l'ai pas du tout, j'arrive pas à le... Je suis même pas sûr d'avoir bien compris la question. Donc en fait, ils sont clairement en train de me demander, ça, ça mesure combien? Ça, ça fait 15. La moitié est à 7,5. Il faut faire 4/5 de 15. C'est pas logique. J'ai l'impression que c'est simple. Moi aussi j'ai l'impression que c'est simple. Oh putain! Oh merde! Désolé, j'avais pas vu qu'il y avait des propositions en bas. Ouf. J'avais pas du tout vu les propositions. 10 cm, ça veut dire qu'il reste 15. 10 sur 15... ça fait quoi? Ça fait 2 sur 3, ça fait 2 tiers. C'est pas ça? J'ai pas le droit d'utiliser la calculatrice, j'imagine. Euh... 4 sur 5. Bah ça ferait... Pour arriver à 15, faut faire x3. Donc ça fait 15 et en haut, 3 x 4, 12. Il me propose pas la réponse 12. Oh, c'est pas ça en gros, ce qu'il me demande. Ça peut pas être ça. C'est plus, c'est une question de d'air, c'est pas une question de périmètre. Juste avec le côté d'un triangle équilatéral, on peut calculer son air sans sa hauteur. C'est possible ou pas? Je me rappelle plus des maths. Vraiment, je me rappelle plus. Utiliser la calculatrice, par contre, c'est pas de la triche. Mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'utilisais la calculatrice, c'est-à-dire que j'étais sur la mauvaise direction en soi. Tu as pas besoin de calculer en vrai. L'autre part fera 4/5 de la sienne. 4/5. Alors imaginons que vu que c'est un gâteau, on va couper le gâteau en 5. Et on va garder qu'une seule part pour lui. Mais elle sera pas... Attends. Ils pourront se partager l'autre qui fera 4/5 de la mienne. Ah non, c'est sa part à lui. Oh, c'est super dur à visualiser. Sur l'entièreté du gâteau, on coupe une part. Et dans cette part, 4/5 représente le reste du gâteau. Je peux prendre un indice, j'arrive pas à comprendre. Inutile d'effectuer des équations complexes, gardez en mémoire qu'il s'agit d'un triangle équilatéral de 15 cm de côté. Mais oh merde, je vous rappelle plus des maths, moi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un triangle équilatéral et qu'on connaît son côté? 15 d'un côté, 15 de l'autre, 15 de l'autre. Donc je connais son périmètre. Qu'est-ce que je peux calculer de plus avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un triangle comme ça? Attends, hein. Parce que c'est marrant, parce que ce genre de questions, on prend toujours en exemple les gâteaux, justement, on fait des parts. Putain, c'est 25 picarades, ça m'en fout. Si j'essayais de couper le gâteau en 5, justement. Mais elles seront toutes équivalentes. Il n'y aura pas une part plus grosse que les autres. Si jamais je divise ça par 3, et que je me mets à 5 cm, c'est à peu près ici. Parce que regarde, le milieu est là. Ah, je me suis foiré d'ailleurs. Merde, attends. Attends, le milieu, il est là. À peu près. Imagine... Le seul moyen de couper ça équitablement, c'est de faire une triforce, tu sais. Et la triforce, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Ces 4 parts sont équivalentes. Mais ça marche pas parce que ça part à lui et là-dedans... En fait, je suis pas sûr d'avoir bien compris l'énoncé. Vous pourriez découper ce gâteau en de nombreuses petites parts en forme de triangles équilatéraux. Quelle serait la longueur du côté d'une de ces parts? Dans ce que je viens de faire, c'est 7,5. Et après, je peux faire des parts de 1 cm de côté. Je peux en faire plein. Attends. Imagine je coupe ça tous les 1 cm. Tu vois un truc comme ça là. Tous les 1 cm. Et ça fait plein de petites parts de gâteau de... 1 cm de côté. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais calculer combien ça fait de parts de gâteau. Et je vais en prendre 4 tiers. 1, 2, 3, 4. Je suis déjà censé être à 7,5 là. Hein. Non. Bah, j'ai fait des parts de 2 cm en fait. 2, 4, j'en ai marre. Pour obtenir une part qui fera 4/5 de l'autre, c'est dur à visualiser ça. Une part qui fait 4/5 de l'autre, vous devriez pouvoir couper la moitié supérieure en 4 petites parts et la moitié inférieure en 5 petites parts identiques. Oh! Ah, attends, on revient sur l'idée de ma triforce là. Donc en fait, il me demande de faire 4 parts ici et 5 parts ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok. Et donc... J'ai l'impression qu'on est pile au tiers. Donc je pense qu'un côté fait 5 cm. Donc chaque triangle fait 5 cm de côté. La question c'est... À partir de combien de centimètres depuis le haut faut-il découper le gâteau? Hop, ben 5 plus 5, 10. Si c'est ce trait, si on me demande à combien de centimètres est ce trait, il a 10 centimètres. Oui. En fait, l'énoncé m'a vachement perturbé. J'ai rien compris. Bah maintenant je comprends, mais ça a été vachement difficile. Sans les indices, je serais... Bon, je sais pas, je la trouvais pas simple dans sa description en fait. Ouais, il fallait bien que j'en foire une ce soir, mais ça y est, au bout de 1 heure de live, ça y est. Merci beaucoup, grâce à vous, je vais pouvoir partager ce gâteau avec les autres. C'était un plaisir, je suis sûr que vos amis apprécieront énormément votre geste. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire « ma part fait 4/5 de la tienne ». Et en soi, c'était le cas, sa part faisait 4/5 de la sienne. parce qu'il avait 5 parts en bas et une avec le 4/5e. Ouh, c'était pas facile, vraiment. Vous croyez, ça me ferait plaisir, ça me fera plaisir, ça me ferait bien plaisir. Allez, il faut vite que je trouve Corvus et les autres. Alors, attends, il n'y a pas des petites piécettes là qui traînent? Ou une petite énigme? Allez, une pièce, c'est bon, c'est gagné. Tombez pas les gars. Hop, petite piécette, voilà. Bonjour, énigme, c'est parti. Salut, je m'appelle Nate, je fais partie de l'équipe d'archéologie à la recherche du Jardin d'Or. Herschel Layton, enchanté, mais je ne vois pas le reste de votre équipe, où sont-ils donc passés? Ils sont partis, j'imagine qu'ils ont abandonné l'idée de trouver le Jardin d'Or ici. Et vous Nate, vous pensez aussi qu'ils ne se trouvent pas sous Mystallerie finalement? Qui sait? On a trouvé des choses, mais pas dans le Jardin d'Or. Allez voir le site de fouilles à l'occasion, mais le chemin est bloqué pour l'instant, on a quelques problèmes avec des débris. Vous savez quoi? Si vous m'aidez à extraire ce quartz, je vous aiderai à dégager le chemin. Oh, let's go le quartz. C'est une belle pierre ça, une belle couleur. Nate aimerait récupérer le quartz tout au fond de la mine, mais des blocs de gravats lui bloquent le chemin. Essayez de dégager les blocs et de l'aider à extraire le minerai. Eh bien, on va devoir bouger tout ça. Hop, déjà ça, ça va être pas mal. On va essayer d'amener tout ça en bas. Ça risque de bloquer fort. Hop, hop, hop. Hop. Ça, on va l'avancer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 non, ça va aller peut-être. Ah ben voilà, aussi simple que ça. Bon, j'ai fait peut-être 3 déplacements de trop, mais ça va. Voilà une énigme passionnante. Bon, à 35 picarats, tranquille. C'est le genre d'énigme que j'aime pas, mais là, elle n'était pas compliquée, ça va. Résoudre cette énigme en moins de 14 déplacements. J'aurais peut-être... Non, flemme. Pas envie. Et voilà ton quartz. Vous avez abandonné l'idée de découvrir le Jardin d'Or ici. Nous avons creusé profond, mais nous n'avons rien trouvé qui s'apparente à un jardin de légende. Pas le moindre morceau de mur, pas de traces de fondation, bref, rien de concluant. Bien sûr, certaines légendes laissent penser que le Jardin d'Or est antérieur à toute civilisation, mais nous n'avons rien trouvé qui nous permette de remonter si loin dans la préhistoire. Il n'est pas impossible qu'il soit encore enfoui plus profond que nous le pensions. Vu la topographie, j'imagine qu'à partir d'une certaine profondeur, on rencontre beaucoup d'eau. Se pourrait-il que le Jardin d'Or soit enfoui plus profondément que les nappes phréatiques? C'est une possibilité. Vous croyez que nous aurions dû continuer à creuser? Eh bien, je l'ignore, mais j'avoue que vos recherches m'intéressent. Avec quelle université travaillez-vous? Aucune. En fait, je suis une sorte d'archéologue indépendant passant sa vie sur les sites de fouilles. Et croyez-moi si vous voulez, mais mon intuition me dit qu'il y a quelque chose là-dessous. Bien sûr, il est possible qu'on ne trouve absolument rien. Oh putain, mais il est passionné le monsieur, c'est beau. Comme l'a dit Nate, on dirait bien que les fouilles n'ont rien donné jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça? Il suffit d'observer les strates visibles d'ici. D'ailleurs, sais-tu que la géologie était la spécialité de ton père à l'université? Vraiment? Et oui, lorsque nous étions étudiants, Clark était très doué pour ce genre de choses. Il était capable d'analyser d'un seul coup d'œil la composition des strates. Dois-je en conclure qu'il ne t'a jamais parlé de cela? Il est tellement occupé avec la ville que nous ne nous parlions pas beaucoup ces derniers temps. Depuis qu'il est devenu maire, il a beaucoup changé. Je me demande si ma maman n'est pas partie à cause de cela. Si ça se trouve, ce n'est même pas mon père. Peut-être que le spectre a enlevé mon vrai père. Du calme, Luc. J'ai moi aussi remarqué que Clark agissait de manière étrange. C'est l'influence du spectre. Quand ton père a-t-il commencé à changer d'après toi? Quand il est devenu maire, juste avant l'apparition du spectre. Je suis sûr que Clark redeviendra lui-même lorsque cette affaire sera résolue. Et je sais qu'avec ton aide, nous réussirons à l'élucider. Nous découvrirons la vérité. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, Luc? Oui, je vous fais confiance, monsieur Layton. Merci, Luc. Quand Amy nous aura rejoints, nous irons parler à ton père. Nous serons sans doute en avance, mais dirigeons-nous vers la bibliothèque. Vous croyez qu'Amy est déjà de retour? Si elle n'est pas encore là, nous consulterons les archives et les journaux locaux. Nous y apprendrons peut-être quelque chose d'utile. Je vois. Vous savez où se trouve la bibliothèque, non? Elle est à l'est du carrefour. Oui, je me souviens, allons-y. Attends une seconde, j'ai un truc sur la jambe. Ah, mais j'ai dû me... Je fais une trace sur la jambe. J'ai dû me faire bobo, sans faire exprès. Rendez-vous à la bibliothèque. Oups, putain, j'ai tout fait péter. Waouh! C'était une explosion, une vraie? Je suis surpris que Nate utilise de la dynamite pour mettre au jour le Jardin d'Or. Ce n'est pas une approche très subtile, n'est-ce pas? C'est loin qu'on puisse dire, j'espère sincèrement que le Jardin d'Or ne se trouve pas là-dessous. Merde. excellent ça. Oh, une énigme cachée. Quel plaisir de se retrouver sur un site de fouilles, cela faisait si bien longtemps. Je croyais que vous passiez votre temps sur des sites de fouilles archéologiques. Non, plutôt je croyais que vous passiez votre temps. Non, mais c'est ce qu'il dit. Le métier d'archéologue n'est pas aussi trépidant que tu sembles le penser, Luc. Je passe beaucoup de temps dans mon bureau. D'ailleurs, cela me rappelle une énigme. Let's go! Nouvelle énigme. On est parti. La 66. 40 picarates. Oh putain. Suite à l'excavation de symboles runiques, un archéologue dit... Ces pierres étaient divisées en deux groupes. Mais je crois que j'ai tout mélangé. Pouvez-vous trier correctement les pierres, celle située en haut à gauche ne peut pas être déplacée. Donc ça, c'est l'exemple. Ok. On peut pas les bouger, les faire pivoter. D'accord. Donc, quelle est la logique? Est-ce qu'on voit des choses dessinées? Oui, je vois un poivron. Je vois un cerf-volant. Je vois un casque de musique. Je vois un fil avec des choses accrochées dessus. Je vois comme un visage. Je vois un autre truc qui s'apparente à un fruit. Et je vois un œil. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ok, je crois visualiser ce qu'ils ont en commun. Ok. Lui, je le mets là. Lui, c'est certain qu'il reste là. Ma théorie... Lui, je pense qu'il va aller là, mais il faut vraiment que je vérifie mieux. Ouais, non... Lui, c'est chaud. Ma théorie, je vais vous l'expliquer. Ouais, lui, il va à gauche. Et lui, j'ai pas vérifié. Ouh, ça pue pour lui, il va aller à droite. Ça pue un peu pour lui, ça a l'air compliqué. Après, je suis pas très bon. Ok, ma théorie, c'est que en fait, tu dois dessiner toutes les formes et tous les dessins qu'il y a sur les cailloux sans lever le crayon une seule fois. Quand tu peux le faire, comme ici, par exemple, je suis le trajet de ma... Attends, si tu veux, je te le recrée ici, comme ça, regarde. Hop, clac, 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 clac. J'ai pas levé le crayon une seule fois. L'autre, hop, clac, 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 tac, tac, tac. Donc ma théorie, c'est que ceux on doit pas lever le crayon, ils sont à gauche. Et ceux auxquels on est obligé de lever le crayon, ils vont à droite. Voilà. Celui d'en bas, par exemple, il fait comme ça. Clac. Voilà. J'ai pas levé le crayon. Du coup, lui là, avec le visage... Bon, c'est impossible parce qu'il y a un espace blanc entre les deux yeux, entre guillemets, donc je peux pas. Lui, j'essaie de réfléchir, mais je t'avoue que faire un truc comme ça, comme ça, comme ça, je vais considérer la règle que t'as pas le droit de repasser sur un trait que t'as déjà fait. Donc du coup, lui, il va à droite. Lui, je galère parce que j'arrive à faire un truc comme ça, facilement, sans lever le crayon. Mais dès que j'arrive là, hop, je fais ça. Et après, je suis bloqué, quoi. Je suis obligé de repasser par là, donc pour lui c'est mort aussi. Et le dernier, en fait c'est quand j'ai vu cette forme là du casque que je me suis dit, oula, il y a un truc intéressant. Imaginons que je fasse quelque chose comme... Merde. Parce que j'aurais pu faire ça à la fin. Mais j'ai pas réussi à le fermer là de ce côté. Ouais, je veux pas repasser sur les lignes, sinon c'est trop facile. Ouais, on dirait un casque avec des oreilles de chat. Donc la boule ronde du début, j'ai réussi à la faire sans problème. Du coup, je pars comme ça. Et là, on arrive sur un triangle. Non. Je peux pas faire le triangle. Je suis obligé d'aller finir sur le triangle. Et si je fais le rond comme ça, je suis bloqué. Et là, si je fais le rond comme ça, ou comme ça, ou comme ça... Non, alors à moins que vraiment j'arrive pas à le visualiser, je considère que celui-là, c'est pas possible. Donc je vais dire que c'est comme ça. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'était bien ça. Ça sautait pas aux yeux dès le début, mais c'était pas mal. Donc c'est ça. Les pierres sont réparties ainsi, celles dont le symbole peut être reproduit d'un seul trait sans lever le stylo et sans jamais passer deux fois au même endroit sont à gauche, les autres sont à droite. Je sais pas pourquoi ça m'a sauté aux yeux, sans déconner. Mais j'ai eu du bol, hein. Bravo Luc, Clark et moi avions l'habitude de nous échanger des énigmes comme celle-ci. Mon père et vous étiez très bons amis, n'est-ce pas? Comment était-il à l'époque? Eh bien c'était un étudiant très sérieux, toujours à l'heure et extrêmement appliqué. Merci pour les GG, c'est gentil. Tu as déjà fait une énigme similaire avec les points repassés deux fois au même endroit? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce qu'on en avait déjà vu une dans les premiers jeux. Étudiant très sérieux, toujours à l'heure, extrêmement appliqué, il était très apprécié des professeurs qui lui désignaient les tâches les plus complexes. Nous étions tous deux passionnés par nos recherches et passions des nuits entières à étudier. Malgré tout ce travail, il mettait un point d'honneur à aider ses amis, sa famille quand il le fallait. Ça ne ressemble pas vraiment à mon père tel qu'il est aujourd'hui. Je peux comprendre pourquoi tu as du mal à faire confiance à ton papa, Luc. Nous découvrirons pourquoi il se comporte de cette étrange façon, je te le promets. Je ne suis pas sûr de vouloir le découvrir. Une pièce. Pas d'énigme. Hop. Alors, il y a un truc là-haut. Une pièce, c'est sûr. Ah non, un cube, c'est vrai. Une pièce. Hop. Une explosion encore. Y a pas notre truc, là? Non. Alors, on peut s'en aller, c'est parti. Ouais, je suis devenu chaud sur Layton, c'est clair. Hop, repartons. Repartons par là-bas. On n'a pas croisé le chat encore. Hein. Ça serait pas mal de le voir, il a des énigmes à... On a des énigmes à rattraper avec lui. Le chat, miaou. Oh, la souris. Oh, je l'ai loupé complet. Le chat, miaou. Le chat... Oh, j'ai pas cliqué là. Tiens, je sentais que j'avais pas cliqué là. J'ai eu un flash. Non, surtout pas vous, vous êtes très chelou. À droite. Donc en bas, puis à droite. Toujours pas de chat. Peut-être devant la maison. Et let's go. Waouh, waouh, waouh. Let's go le chat. Miaou. Panne de soucoupe, c'est parti. Oh putain. 65 picarates, je suis mort. J'ai déjà... En plus, c'est les énigmes que je déteste, là. J'ai déjà eu l'occasion de voir une soucoupe volante de très près. Un jour, alors que j'observais les étoiles de mon jardin, je l'ai aperçue dans l'espatiel. C'est pas l'espace, c'est pas le ciel, c'est l'espatiel. J'ai vite compris qu'elle était en panne arrêt. Et hop, j'ai fait passer sa boule énergétique de l'autre côté, et elle a pu redémarrer. Et toi, jeune Capricorne, comment sais-tu que je suis de signe astrologique Capricorne? C'est très effrayant. Tu aurais été capable de réparer la soucoupe? Comment le jeu, il avait une chance sur 12, comment le jeu, il sait que je suis Capricorne? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, le jeu s'inquiète, comment tu le sais? Je comprends pas, j'ai peur. Bonjour, ça va? Hop, peut-être trop prêche. Trop proche, prêche, trop près, trop proche. Ah, sacré boule. On va tâcher de faire de la place. Waouh, désolé. Ouf, il m'a explosé. Il m'a explosé le nez celui-là. Alors. Comme ça, comme ça. Comme ça. Peut-être comme ça. Non. Merci le chat. Oui, oui, tu peux dire à tes souhaits. J'ai pas crié pour le plaisir. Hein. Si tu te poses la question, non. Pas très très agréable ça. On a tourne un peu en rond là, j'ai l'impression. Ça ne marche point. Ça bloque un petit peu trop pour moi. Putain, j'arrive même pas à la bouger de là. Parce qu'une fois que je fais ça, tout est bloqué après. Faudrait que je l'amène là-haut pour qu'il y en ait un qui passe en bas. Comment je peux les faire rentrer l'un dans l'autre, à part comme ça? Ça doit pas venir comme ça. Perdre ces deux carrés, c'est trop grave. Ah, attends. Ah non. Et non. Non, non, non. Hop, la souris. On en a pour un petit moment. Ça va être un petit peu long. Si j'annule, ça va être plus simple de commencer par là-bas peut-être. Non. Non, il y a tout qui est bloqué là. Tu ne passeras pas par là. Oh, ils prennent beaucoup de place, eux. Oh. Oh. Oh oh oh. Oh oh oh, pas du tout. Ça ne marche pas. Putain, je suis revenu au début. Je suis revenu au début, c'est formidable. Mais comment j'ai fait pour tout débloquer tout à l'heure? Sans rire. Le jaune était resté un moment, je crois, en fait. Ouh, ça m'a l'air pas mal ça, si j'arrive à passer le bleu ici là, et le rouge là-bas. Bordel. Comment je peux déplacer le jaune là? Ça sert à rien de le déplacer comme ça. Tu bloques. C'est bien beau de faire ça. Quoique... ouais, ça va toujours bloquer un petit peu, quoi. Hmm. Il y a un truc à faire là, non? Ah! Merde. Ah oh, est-ce que je vais arriver à sortir le... Oh, attends, je viens de faire un truc que j'avais jamais pu faire jusqu'à maintenant. Oh putain. Il suffit d'aligner tout le monde du même côté. Pour que ça passe. Ah, merde. Ouh, il se passe un truc bien. Ah, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, ça. Je vais y arriver. Ça va prendre son temps, mais je vais y arriver. Ça bloque. Mmh. Non, ça sert à rien de faire ça. Oh, quoique. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert un peu pas trop à rien grand-chose. Peut-être que ce qui me gêne, c'est lui. Ah, on va foutre le bleu là-haut. Comment je fais ça, moi? Oh putain. Oh merde. Attends. Comment tout était placé? Comme ça. Ok. Et comment j'ai fait pour amener la boule là-haut? J'ai réussi un jour à faire ça? Est-ce qu'il faudrait que lui je le mette là? Et que ce soit le bleu? Ah, faudrait que je bloque le bleu là-haut, peut-être. Est-ce que je peux amener le bleu en premier? Pas trop sûr. Ouais. Oh là là, je sens que je suis pas très loin. Mais c'est encore un peu difficile. Je sens bien que c'est le jaune qu'il faut que j'amène là-bas. Comment faire? Comment faire pour l'amener là-bas, le jaune? Qu'est-ce qui se passe dans le chat? Pourquoi il y a quelqu'un qui a écrit « Il se doute pas ». Il se doute pas qu'il se passe tellement de choses dans le chat. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'ils savent? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Je suspecte un ou une modo d'avoir fait le un truc. Qu'est-ce que le un truc tu as fait? On a beaucoup discuté. Ah ouais? Étrange tout ça. On n'a rien fait. Ah ouais? Ça là, t'es sûr? Ça paraît suspect tout ça, non? La guerre des signes astrologiques. Ils se sont lancés dans une emote only sans être en emote only. C'est formidable ça. Pour une fois qu'on est juste gentil merde. Mais quoi? Il y a quelqu'un qui vous a balancé, c'est pas moi. Pour une fois qu'on est sage et ils sont sages. Pour une fois les modos ils ont rien fait. Ah bah oui bah attends ça va, je suis habitué, c'est pour ça. Eh oh. Bon, si vous le dites. J'ai rien dit alors, autant pour moi, désolé. Mais quand même, ça paraissait suspect. Aïe, 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 je suis très embêté. Oh, j'aime bien ce qui vient de se passer à l'instant là. Waouh! Oh, j'aime beaucoup le fait que j'ai réussi à bloquer ça. Mais... ça n'a pas l'air de m'aider plus que ça. Putain, je crois que je l'ai déjà fait ça. De faire quoi que ce soit d'autre. Et là ça bloque. Comment je pourrais faire? Oh 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 oh, c'est pas mal ça. Et ça nous avance pas grand chose. Non, en fait, ça nous fait perdre plus d'espace qu'autre chose, non? Quoique, non, c'était pas mal en vrai. C'était pas mal. Mais là, ça bloque. Il est obligé de venir là. Alors, toi, mets-toi là. Vas-y, on refait la même. Non, ça bloque toujours autant. Non. Le bleu, on va le laisser là-haut. Elle est beaucoup trop grosse, cette boule. Elle bloque trop de choses. Ok, on va essayer de mettre le bleu à la place du rouge maintenant. Ah oui, non, ça marche pas. Faut que je mette le bleu là-haut et le rouge à la place de la boule. Je vois pas comment je vais pouvoir faire ça. Intervertir le bleu et la rouge. Enfin, la boule et la rouge. Oh putain, je galère. Qu'est-ce qui peut être ça? Bloqué. Petit indice, même si je sais pas trop ce qu'ils vont me dire. Elle peut être réparée en 31 déplacements. 31, ok. Continuez à commencer par déplacer les pièces, les deux pièces en L situées en bas à droite vers le bas. Puis faites passer les deux dans le coin supérieur droit et en haut. Bon, ça je l'ai fait du coup. Après avoir suivi les instructions du premier indice, faites passer toutes les pièces en coin sur les deux rangées centrales en déplaçant les carrés latéralement de façon adéquate. Ouais, mais il faut que je suive exactement ce qu'ils me disent de faire là. Lorsque toutes les pièces elles sont alignées sur les rangées centrales, déplacez les carrés vers le coin supérieur droit, amenez les pièces en rouge dans le coin inférieur. Ah, tu m'as donné la résolution, Malouga. J'ai un lien sur Discord, si je clique dessus, j'ai la résolution de l'énigme. Mais j'avoue que j'aime pas les énigmes comme ça. Je perds un temps fou à essayer de les résoudre à chaque fois. Il m'a dit en 31 moves, je suis à 340 moves. Est-ce que c'est bon? Ça va? Pas ce que j'arrive à faire. Franchement, c'est bien comme ça. C'est bien, je maximise tellement de place. Ça va, il y a la place pour 4 chiffres, j'avoue. Je sais pas ce qui se passe quand on atteint les 9999 coups. Est-ce que j'ai envie de le savoir? Bof. Bof, bof. Malouga, est-ce que si tu regardes la résolution d'énigme, est-ce que tu peux me dire si je suis vraiment très très loin? Ou est-ce que je m'en rapproche pas mal? Merci beaucoup Toutouchien qui arrive sub pour son 21e mois. M'embête cette énigme, m'embête. Elle mérite ses 65 picards, ça c'est certain. J'arrive pas à mettre quelqu'un d'autre à la place du jaune, ça me ah, ça me frustre ça. Ouais non, c'est loin. Oh bon, vas-y, hey, tu sais quoi? Tu m'en veux pas, je prends la solution. J'ai horreur de ces énigmes. La soluce, elle est là. Clac, clac, clac. Plat, et on va se mettre ici. Hop, non, trop long quoi. Vas-y, 31 déplacements, je vais voir ça. Alors, adieu mon plan, du coup. Alors, tic-tic-tic, hop, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6... et de 7, et de 8, et de 9, et de 10, et de 11. Bon, j'ai déjà fait un déplacement de plus que eux, je sais pas comment j'ai fait mon coup. Et de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, oh putain de merde, 31, 32, je l'ai fait en 32 au lieu de 31. Je crois que c'est bon. Et bien en fait j'ai pensé être proche de la fin mais pas du tout. mais alors pas du pas tout. Si oui, oui, calme-toi, Luc, calme-toi. Merci Malouga pour la solution. Affreux. Je déteste ces énigmes, j'ai pas de patience pour les faire. Ah putain, c'était une énigme du chat, c'est vrai en plus. Collection de Matou. 30 picarats. Allez, c'est parti. Un amateur de chats est si fier de sa collection de presse-papier qu'il aimerait la mettre en valeur sur une grille de 4 carrés de côté. Il ne veut ni laisser de cases vides, ni avoir plus de 2 chats de la même couleur côte à côte. Que ce soit sur une rangée ou une colonne, les premiers chats sont déjà placés, sont déjà en place et ne peuvent pas être modifiés. À vous de compléter cet arrangement, touchez une case pour y placer un chat. Ok, chat blanc, on peut pas le bouger. Là, je peux mettre ce que je veux. Ok. Je peux mettre un chat noir, par exemple. Non, il y en a un là. Je peux mettre un chat blanc. Non. Ce sera exactement pareil ici. Ici, je peux très bien mettre un chat blanc. Il n'y a rien qui m'en empêche. Ici, je peux mettre un chat blanc aussi. Il n'y a rien qui m'en empêche. Là, je peux rien mettre. Là, je peux rien mettre, on l'a dit. Ici, je peux mettre un chat blanc. Là, je peux rien mettre. Ici, je peux rien mettre. Je peux rien mettre. Je peux mettre un chat noir. Est-ce que c'est équilibré ? Je reprends les endroits où c'est impossible de mettre un chat, vraiment impossible. Là, à cause de lui, et donc là aussi. Là et là. Donc c'est impossible d'en mettre un là, impossible d'en mettre un là, impossible d'en mettre un là. Maintenant, ici, ça aurait dû être possible, mais si je mets un blanc ici, je me prive cet emplacement et cet emplacement. Alors que si je mets 2 blancs là, je me prive juste de cet emplacement. Non, je crois que c'est validé. Oui, je suis confiant. C'est pas validé. Je me demande ce qui s'est passé. Vous devez baser votre raisonnement sur les chats déjà placés. Ben, ce que j'ai fait. Un amateur de chat est si fier de sa collection de presse-papier qu'il aimerait la mettre en valeur sur, sur une grille de 4 carrés de côté. Il ne veut ni laisser de cases vides. Ah quoi. Il ne veut ni laisser de cases vides ni avoir plus de 2 chats. J'ai rien compris à ce qu'il y avait écrit. Oh mais quoi. Attends. J'ai rien compris. Il n'a... plus de chats de la même... Ne laisser de cases vides, ni avoir plus de 2 chats de la même couleur côte à côte, que ce soit sur une rangée ou une colonne. Ah bah si. Voilà. Plus de 2 chats de la même couleur. Donc il n'en veut pas 3 de la même couleur en fait. C'est pas 2 le problème, c'est 3. Oh d'accord. Mais attends, je suis désolé, je peux rien mettre là. Si je mets un chat blanc, il y a 3... Ah oui mais attends, il y a mes chats de tout à l'heure, c'est vrai. Ok. Bon, le problème c'est que là il y a 2 chats noirs. Ok, donc obligatoirement un blanc ici, obligatoirement un blanc ici. Maintenant, il y a 2 chats blancs, obligatoirement un noir ici. Ici, il y a 2 chats blancs, donc obligatoirement un noir ici ou ici. Sauf que là, eh bien, écoute, on ne sait pas encore très très bien. Ça peut être potentiellement les deux. Ici, il y a 2 chats noirs, pardon. Donc ici, il ne peut pas y en avoir un noir, sinon ça fait 3. Il ne peut pas y avoir de case vide, donc c'est un blanc, obligatoirement là. Là, ça peut être très bien un noir, ça posera de problème à personne. Et donc, je peux placer mon blanc ici. Bien que je peux placer mon blanc ici, et attends, mais j'ai de la merde. Attends. Ah non, c'est obligatoirement un noir, et un noir, je dis des bêtises. Noir, noir, ok. Là, ça peut pas être un noir, donc c'est forcément un blanc, là, ça peut pas être un blanc, donc c'est forcément un noir, là, ça peut pas être un noir, donc c'est forcément un blanc, là, ça peut pas être un blanc, donc c'est forcément un noir. C'est bon. J'avais juste absolument pas du tout compris l'énoncé, en fait. Mais absolument pas du tout. Toute énigme a une solution. Let's go. J'étais vraiment pas très concentré. Pas très lucide. Merci beaucoup à Dada079 qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie. Merci beaucoup, bienvenue. Oh putain, 50 picarats. Ça va faire mal. Oh putain, c'est des maths. Ça va faire très mal. Ok. Ce vieil entrepôt est éclairé par une lampe suspendue à une poutre. Au sol se trouvent 2 bornes hautes de 1 mètre, séparées par une distance de 15 mètres. La lumière de la lampe crée une ombre de 3 mètres partant de la borne de gauche et une ombre pardon, de 2 mètres partant de l'ombre de droite. Pour l'instant, j'ai compris. À combien de mètres du sol se trouve la lampe ? C'est quoi cette question de fou? C'est quoi cette question de fou? Comment vous avez appris en maths une théorie, une équation ou un truc comme ça qui permet de lier la distance du nombre en fonction de la distance d'un éclairage? Le jeu est PEGI 7, je rappelle, ou PEGI 3, je sais même plus. PEGI 7 ou PEGI 3? PEGI 7? C'est un truc de dingue. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Oh, la lampe, elle est pas pile au milieu des 15 mètres, ça c'est certain, puisqu'elle éclaire plus là et moins là, et pourtant on dirait qu'elle est plus à droite. Parce que si on l'approche, elle éclaire moins, si on la recule, elle va éclairer sur une distance plus longue. Oui, c'est logique. Donc du coup, elle est plus à droite qu'à gauche, la lampe. Ok. Ok. PEGI 7, PEGI 7, allez. Il doit y avoir quelque chose de simple, il doit y avoir une logique quelque part. Hein. Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que j'en sais rien du tout, je sais même pas par où chercher. Choisissez une des bornes et imaginez un grand triangle dessiné par la lampe. Oh, ok, je vais même pas lire la suite, je vais essayer de voir ce qu'ils veulent me dire. Donc évidemment, hein, on n'est pas fou. Mais j'ai pas la distance entre les deux, j'ai aucune des distances en fait, puisque moi je cherche cette distance là, j'ai pas celle là, et j'ai même pas celle là en bas en fait. Donc je vais peut-être continuer à lire l'indice. L'endroit, imaginez un grand triangle dessiné, vous me faites rire le chat avec les émotes. Grrr, grrr, nous sommes des Lucs en colère, grrr. Imaginez un grand triangle dessiné par la lampe, l'endroit du sol situé juste en dessous, cette dernière est l'extrémité de l'ombre. Ah, de l'ombre de la borne. Imaginez maintenant un triangle plus petit, dessiné par le haut de la borne, le bas de la borne, et l'extrémité de l'ombre de celle-ci. Donc on va recommencer tout ça. Un triangle. Clac. 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 Et maintenant tu m'as dit un triangle qui fait... Clac. Clac, clac. Waouh, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ces deux triangles sont similaires du point de vue mathématique car ils respectent les mêmes proportions. Ils sont proportionnels. Effectivement, j'ai ce côté. Et vu qu'il y a un angle droit, c'est forcément un triangle rectangle. Je me souviens plus comment on fait ces trucs-là. Hop, 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 hop. Hop, ça fait un rectangle de 3 sur 1. 3 sur 1. Comment je peux calculer la diagonale d'un... Je me rappelle plus du tout. Ah non, mais attends, c'est Pythagore. Ça au carré plus ça au carré est égal à ça au carré. Donc 3 au carré, 3 fois 3, 6. Plus 1 fois 1, 1. Égale à 7. C'est ça. Oh, putain, j'espère que c'est ça. La diagonale équivaut à 7. Oh, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc ça, ça fait 7. Et donc il y a une proportionnalité entre ce petit triangle et ce grand triangle. Ah, je vois où tu veux en venir. Sauf que non, on n'a pas... Ah oui, on va faire la... Oh d'accord, on va faire exactement pareil de ce côté. 2 au carré 4 plus 1 au carré 5. Ici... Attends, c'est possible, c'est beaucoup 5, non? Ah non, c'est possible. Là, c'est 5. Maintenant. proportionnellement. Si on multiplie par 2 ces distances-là, ça fait 6 et 4, et on arrive à 10. Donc c'est pas assez. Si on multiplie par 3, 3 x 3, 9, 2 x 3, 6, et on arrive à 15. Donc la distance ici, hop là, clac, elle est de 9. Et la distance ici, j'ai dit 2 x 3, elle est de 6. Clac. Donc on multiplie par 3, du coup. Donc 1 x 3 égale 3. Donc logiquement, ça, c'est égal à 3. C'est ça hein, qu'on me demande. Elle est à 3 mètres. Je suis plutôt confiante. Ce n'est pas digne de l'assistante du professeur Layton. Ah bah ça va, m'engueule pas non plus. Je disais bien que c'était pas aussi simple. Ah, ok. Je vois où est le problème. Parce qu'en fait, j'ai pris seulement ce côté. Et on m'a parlé d'un triangle qui allait jusqu'au bout. Donc j'aurais dû prendre 15 plus 3 plus 2 pour faire 20. Donc si je multiplie par 4, 4 x 3, 12. 4 x 2, 8. 12 plus 8, 20. Donc on multiplie 1 mètre par 4 et pas par 3. Donc ici c'est 4 mètres, pas 3 mètres. Voyons ce que ça donne. Je me suis fait avoir. Cette énigme ne m'a posé aucun problème. Si, si, elle m'a posé beaucoup de problèmes. Carrément. Voilà, c'est ça, le triangle, en fait, il allait jusqu'à là-bas. Alors que moi, je l'imaginais aller jusque là, au début. C'est pour ça que je me suis fait avoir et que la proportionnalité ne... Peggy 7. Peggy 7, niveau... T'es en quelle classe quand t'as 7 ans? T'es en quoi? T'es au primaire, mais t'es un truc comme ça, je sais plus. T'es en CE1, un truc comme ça. Waouh. Chaud, hein. Chaud, faut connaître Pythagore à cet âge-là. CE1. Ouais, ce que j'ai dit. Bah, chaud. Chaud le cerveau qui chauffe, là. Merci Sifox qui a sub en Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci LolXD0503 qui a sub pour son 6e mois. Youfar, déjà 6 mois, ça passe vite. Je voulais juste te dire que je t'adore. Désolé, je vomis en fait. J'espère que tes livres... Mes livres t'aideront à sourire cette année. Mes lives. Sacré correcteur automatique. Si tu veux, j'écris un livre, il n'y a pas de problème. Hein. Mais merci. Lorsque vous touchez une dalle, un numéro lui est attribué. Commencez par la dalle numéro 1. Créez un chemin passant par toutes les dalles. C'est quoi l'histoire? D'accord, j'ai capté. Ok. Dans un royaume ancestral, un des innombrables serviteurs du roi avait pour tâche de nettoyer sa chambre selon un schéma bien particulier. Certaines dalles du sol sont marquées d'un nombre qui indique dans quel ordre elles doivent être lavées. Commencez par la dalle numéro 1, puis nettoyez une seule fois toutes les dalles en passant dans le bon ordre. Sur les dalles numérotées, vous ne pouvez passer que par les dalles adjacentes. Pour éviter de laisser des traces, il vous faudra finir votre ménage près de la porte, qui est... la porte, j'imagine que c'est ça, donc je dois finir mon ménage sur une des 4 là, peut-être un truc comme ça. Et je dois m'approcher de la 6, évidemment. Et comment je finis sur la porte là, je sais pas, j'ai bloqué. Et je suis bloqué, c'est complètement con, cette histoire. Attends, c'est quoi la porte? Elle est où la porte? Il y a une porte quelque part? Près de là, il vous faudra finir le ménage. Ah, peut-être celle-là? Ah, on va finir là, oui, c'est logique, regarde 30, autant pour moi. 5, 6, après on va chercher 7, 8, 9, 10, 11, 9, j'ai perdu, attends, je peux revenir en arrière? 7, 8, non, 7, 8, 9, 10, 11, mais non mais c'est ça, mais pourquoi je bug? Oh non je suis con, on fait pareil, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Mais c'était super simple. Pourquoi j'ai galéré autant? C'était ultra simple. À l'aide. Ouais, je suis assez joyeux, c'est vrai. Beau travail. En plus, ça fait un joli dessin. Si l'on trace cet itinéraire, on voit apparaître l'idéogramme chinois qui signifie roi. J'imagine qu'au shoji, du coup, la pièce roi, elle a ce symbole-là. Ou alors le shoji, c'est pas un jeu chinois et je confonds peut-être. La réserve d'énigmes est vide. Let's go. Bonjour le chat, ça va? On va aller dans la bibliothèque, c'est parti. Oh, c'est un cul. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ou c'est une tête? C'est moi, c'est Foley. Foley, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je cherchais une cachette tranquille et je me suis dit que la bibliothèque serait un bon choix. Foley, mais apparemment, ce n'était pas une si bonne cachette que ça. Mais pourquoi vous êtes-vous caché entre les rayons au lieu de choisir un coin sombre? Foley, mais enfin, mon garçon, il y a des règles à respecter quand on choisit une cachette. Enfin, assez bavardé, que diriez-vous d'une bonne énigme? Oh, je dis que c'est une très très bonne idée, que j'ai envie d'une bonne énigme, oui, bien sûr. Cette planche de bois carrée n'a pas été peinte de façon régulière du tout. La planche fait 20 cm de côté et le pinceau 10 cm de large. Ok, en deux coups tu l'as pas en entier. À chaque couche de peinture, la couleur de la surface peinte fonce. Ok. Le nombre de couches nécessaires pour obtenir chaque couleur est illustré dans l'encadré. Ok. Combien de coups de pinceau au minimum ont permis d'arriver à ce résultat? Ok. Comme ça, je dirais 4. Non, 3. Ah, pas mal. 1, je vais te le faire comme ça. Premier coup de pinceau, ici. Ah, attends. Oh, c'est subtil, attends. Il y a des petits carrés, là. Comment il a fait ces petits carrés? Oh là, non. Pas du tout. Bon, il a mis un premier coup de pinceau qui a pris tout ça, ça c'est certain. Et non. Le premier... Oh non. Oh, c'est compliqué. Comment il a fait son coup? Ça c'est forcément le dernier coup qu'il a mis. Ou c'est le premier? Attends, je comprends pas bien l'ordre des peintures. Pour moi, ça, cette couleur, c'est la plus ancienne. Mais peut-être que c'est celle-là la plus ancienne, je dis peut-être une erreur. La couleur de la surface peinte fonce. Elle devient de plus en plus marron quand elle est ancienne. Non, c'est ça, c'est celle-là la plus ancienne. Donc d'accord, du coup ça c'est la plus vieille. De pinceau qu'il a mis. Il a mis, on dirait un coup de... Ah mais putain, ça m'embête cette histoire. Il a mis un coup de pinceau comme ça, clac. Puis après il a mis un coup de pinceau comme ça, mais ça a tout effacé. Et on connaît pas la largeur du pinceau, il a pas pu mettre des petits coups en travers comme ça. Non, si on me donne pas la largeur du pinceau, je pense pas qu'on puisse le compter. Mais ce qui me gêne, c'est que sur son pinceau, la couleur est marron. Et comme si elle allait tendre vers le beige, mais ça n'a aucun sens. Il aurait fallu qu'elle soit beige ici et qu'elle tende vers le marron. À chaque couche de peinture, la couleur de la surface fonce. Il n'y a pas dit éclaircie, elle fonce. Alors. Il met soit des coups de peinture comme ça, soit comme ça. Mais c'est trop bizarre comment il en est arrivé à avoir ce... Rien que avoir cette forme, j'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup Camillette qui a sub en tier 1. Pour la première fois de sa vie, bienvenue. J'espère que tu vas bien et que le stream te plaira. Donc il met du beige et ça fonce. Bon, imagine qu'ils mettent du beige sur tout ça en un coup. Tout est beige. Il met un deuxième coup comme ça. Non, ça n'a pas de sens, je recommence. Imagine, ils mettent il met un coup de pinceau comme ça, là. En un coup. Mais comment il a pu avoir ça au milieu? Et ça? Bon, ça encore si, je peux comprendre. Mais ça... Oh, je comprends pas. La planche... Après, il peut peindre à côté un peu, tu me diras. Trop dure celle-là, je comprends pas. Elle a, alors, cette planche de bois n'a pas été peinte de façon régulière du tout, on me dit d'ailleurs. Elle est affreuse cette énigme, je n'y arrive pas, elle est affreuse. Ce qui me gêne, c'est que la beige, c'est la dernière couche qu'il a mis, d'accord ? C'est la dernière, puisqu'elle n'a pas foncé, il n'en a pas mis d'autres. Alors comment il a fait pour avoir ce petit morceau là, ce petit carré? Comment c'est possible? À moins qu'il peigne avec juste le bord du pinceau, pas sur la longueur, mais du coup sur la largeur. C'est ce que je disais au début. Mais du coup, comme ils me l'ont pas dit, ça me fait stresser, mais peut-être c'est comme ça. Il a fait ça, clac, clac, clac. Et du coup, ça expliquerait un peu comment il a fait ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'à partir du moment où il relève le crayon, la peinture d'en dessous change de couleur. À moins que... Et si jamais c'était le sens inverse des couleurs, ça serait tellement plus simple. Si vous pensez aux différents coups de pinceau de façon successive, ce n'est pas trop difficile, attention à ne pas en oublier. La première couche pourrait d'abord avoir été appliquée sur toute la planche, commencez par là. Après que la planche a été peinte une fois dans son intégralité, les coins inférieur gauche et inférieur droit peuvent être peints à nouveau. Il aura fallu 2 coups de pinceau car le centre n'a pas été peint. Il ne reste plus que les zones ayant reçu une 3e couche de peinture. Attends, plusieurs couches de peinture, mais on n'a pas, j'ai pas compris. Moi j'ai compris que c'était le temps qui faisait noircir la peinture. Mais vous me parlez de couches de peinture ? À chaque couche de peinture, c'est écrit. Pourquoi je lis pas la couleur de la surface? D'accord. D'accord, je suis une merde. Putain. Bon, je reprends tout à zéro. Bon, ok, première couche de peinture en blanc, il en met partout, donc ça fait 1 coup de pinceau, 2 coups de pinceau, et il en met partout, d'accord? 2e coup de pinceau, il en met juste là, donc ça lui prend qu'1 coup de pinceau, 10 cm, il peint juste là, 3e coup de pinceau. 4e coup de pinceau, il en place un comme ça, clac, et un 5e comme ça, clac. Mais ben, c'est beaucoup plus simple comme ça en fait. En fait, j'ai cru que la peinture noircissait avec le temps et pas avec les coups de pinceau par-dessus rajoutés. Mais je pensais que lever le crayon, lever le pinceau faisait passer le temps et donc la peinture en dessous noircissait. Et je me disais, mais ça n'a aucun sens, c'est pas possible. Mais en fait, maintenant que j'ai compris vraiment l'énoncé, c'est beaucoup plus simple. Ouais, tu vois, c'est exactement ce que je t'ai dessiné. Oh, bah attends, même pas en fait. Tac, tac. Et tac. Je l'ai pas fait dans cet ordre là, ok, bon c'est pas grave. Ma mamie m'a dit que la bibliothèque était très ancienne, on y trouve des tas d'histoires sur le spectre. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas, Foley. Pourquoi tenez-vous tant à vous cacher dans un espace si étroit? Je sais que c'est dur le chat, hein, quand je comprends pas la question, et qu'il y en a certains qui ont envie de m'ouvrir les yeux, ou plutôt de me faire ouvrir les yeux, pas de m'ouvrir les yeux, c'est bizarre, et de me dire, ah mais enfin, c'est ça, je me doute, c'est pas facile, mais faites attention, ça peut être considéré comme du spoil ou du backseat. Mais quand j'ai besoin d'aide, vous inquiétez pas, je demande directement au chat. Mais désolé, ça doit pas être agréable à vivre. Merci Mathis, 111-367 qui arrive pour son 7e mois. Bonsoir Farod, comment ça va? Et bonsoir aussi le chat, comment ça se passe pour vous la rentrée? Je vous laisse répondre à Mathis dans le chat. Merci le pull rouge de Farod qui arrive pour son 22e mois. Salut Farod, j'espère que tu vas bien. Merci pour ce que tu fais, Gaëté. Wow, ok. Bah écoute, je te souhaite bon courage pour la vie en général et merci pour ton message, ça fait plaisir. Cette cachette m'a semblé confortable et suffisamment à l'abri des regards, c'est tout. D'accord, si vous le dites. Alors, qu'est-ce qu'on cherche déjà, nous? Bienvenue à la bibliothèque de Mystaléry, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander. Nous aimerions consulter quelques journaux locaux. Les journaux sont dans le coin, si vous voulez consulter les archives, je vous montrerai où elles sont. En réalité, je cherche à en savoir plus sur le décès de Evan Bard. Pourriez-vous m'aider à retrouver des journaux qui mentionnent cet événement? Le règlement... Amende sans internet, c'est compliqué. Le règlement de la bibliothèque m'interdit d'aider quiconque n'a pas résolu au moins 50 énigmes, mais je vois que vous avez rempli cette formalité. Parfait, un instant s'il vous plaît. Et paf, le 4e mur qui a été brisé, au calme. Désolé d'avoir été si longue, j'ai retrouvé les journaux parus la semaine dernière, la semaine du décès, pardon, d'Evan Bard. Puis-je vous les emprunter? Vous croyez où? Dans une bibliothèque? Ah, désolé, c'était de l'humour. Allez-y, prenez-les, mais il faudra d'abord que vous me les rapportiez lorsque vous en aurez ou n'en auriez plus besoin. Ouais, prenez en compte la fatigue, vous avez raison. C'est très étrange, les journaux locaux ne donnent aucun détail au sujet du décès de Monsieur Bard. Nous ne sommes pas plus avancés. Combien de temps allons-nous devoir attendre Mademoiselle Amy, Monsieur Letton? Est-ce qu'elle sait à quoi ressemble une bibliothèque au moins? C'est pas très gentil ça, Luc. Tu es fou, calme-toi. Je compte sur toi pour me l'expliquer, Luc. Et bah voilà, elle est là. Elle te ferme ton clapet, Luc. Mademoiselle Amy, je suis content de vous voir. Ouh, tête de Luc triste. Moi aussi, Luc, désolé d'arriver si tard, j'ai eu du mal à lire tous les panneaux sur la route. Je suis désolé, je ne voulais pas me montrer blessant. Oh, elle se fout de sa gueule, oh, ce regard méprisant. Pas de problème, sans rancune, les livres pour enfants sont là-bas. Désolé de vous avoir fait attendre, professeur, voilà les documents que vous vouliez. Merci beaucoup, Amy, tes efforts vont indubitablement nous aider à faire progresser notre enquête. Je vous ai également ramené une surprise. Oh, sacré Groski, content de vous revoir, professeur Layton, la forme, pas la force. On n'est pas dans Star Wars. Inspecteur Groski, je ne m'attendais pas à ce que Scotland Yard envoie quelqu'un ici. Alors c'est avec vous que travaille Amy, vous auriez pu me le dire, Amy. Disons que je n'en ai simplement pas eu l'occasion. Amy a dit qu'elle avait des relations à Scotland Yard, mais qu'elle ignorait. Mais j'ignorais qu'elle parlait de vous. L'homme des petits, comme on dit. Le professeur ne s'en souvient vraiment pas. Pardon, Amy? Hein? Non, rien. C'est pas la première fois qu'elle dit ça, qu'elle sous-entend qu'on a oublié quelque chose. C'est un nouveau chapeau, professeur? Oubliez les chapeaux. Il paraît qu'une sorte de spectre géant menace cette ville. En effet, la situation est préoccupante, je pense qu'Amy vous l'a déjà résumé, mais permettez-moi de rentrer dans les détails. Chaque fois qu'il apparaît, le spectre ravage une partie de la ville. Quelqu'un semble contrôler ce spectre dans l'ombre, mais nous ne savons pas encore qui. Un complot autour d'un spectre, c'est intolérable. Moi, l'inspecteur Groski de Scotland Yard, j'accepte de vous aider dans votre enquête. Je vais aller voir le commissaire de Mystaléry pour m'assurer de son entière coopération. Un instant, inspecteur, je ne vous ai pas encore tout dit. Trop tard, le voilà parti. Il avait l'air très enthousiaste. Bien, il est temps de jeter un œil aux documents que nous apportait Amy. Je pense que nous y trouverons des informations intéressantes. Oh, professeur, j'ai également fait développer mes photos. Elles pourront s'avérer utiles. Merci, Amy. D'après le rapport de police, Bard a trouvé la mort en se jetant du haut d'une falaise. Aucune trace de lutte sur les lieux du drame, un testament a été retrouvé chez la victime. Les informations relatives à la mort de M. Bard sont plutôt vagues. Regardez cela. D'après le seul témoin de la scène, il n'y avait personne d'autre sur les lieux. Et cet unique témoin n'est autre que Clark Triton. comme par hasard. Quoi, mon papa? Monsieur Triton était le seul témoin dans l'affaire Bard, et il ne nous a rien dit. Est-ce que tu étais au courant, Luc? Ah ben non, c'est la première fois que j'entends cela. Aïe, 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 ça pue. Ça pue pour le papa de Luc, et je commence à comprendre pourquoi, dans les opus suivants, Luc, il traîne avec le professeur Layton. Je commence à rassembler les pièces du puzzle, là. Maman n'en a jamais parlé non plus. Dans son testament, Monsieur Bard a légué tous les terrains de la ville à Clark. Pourquoi a-t-il choisi un héritier extérieur à la famille plutôt que ses propres enfants? Ce n'est pas tout, regardez. À Londres, l'attaque du spectre n'a même pas été évoquée dans la presse d'aujourd'hui. Pas une ligne, bien que la ville ait subi d'importants dégâts, n'est-ce pas étrange? En y repensant, nous n'avions jamais entendu parler du spectre avant notre arrivée à Mistallery. Vous croyez que quelqu'un essaye d'étouffer cette affaire? Tout porte à le croire. Mais qui pourrait bien avoir une telle influence sur les médias? Vérifions nos informations au commissariat de Mistallery avant de tirer des conclusions. L'inspecteur Groski a peut-être réussi à trouver le commissaire Jack pour nous. Ça pue tout ça. Alors, repartons d'ici, allez parler au commissaire qui est au nord. Oh, Amy, il est possible que nous ayons à retourner à Londres plus tard dans notre enquête. Pour ce faire, il suffit de toucher ma voiture à l'entrée de la ville. Une fois que nous aurons choisi une destination, nous pourrons nous y rendre sans délai. Compris. Cela nous permettra de retrouver les énigmes que j'ai pu oublier à Londres. Précisément. Maintenant, il est temps de reprendre notre enquête. Tout à fait. Allons-y. La rediff, elle sortira demain à 11 h du matin. À gauche. Toujours au nord. Merci beaucoup The R Kain qui a resub pour son 3e mois. Petit live de Farod avant la rentrée demain. Tu m'as dit en convention que j'étais invité au mariage avec Cad. J'ai rien reçu, est-ce normal? Ah, je ne t'ai pas dit. Tu n'es pas au courant donc apparemment. Ah, disons que Kai et moi, Cad et moi. T'as écrit CAD, je sais même plus si j'ai du CAD. CAD et moi, ça s'est un petit peu mal terminé en fait notre histoire d'amour. Disons que avec cette musique triste en arrière-plan, on a pris des chemins différents. On ne recherchait pas la même chose. Ouais, c'est triste. Du coup voilà, nous avons dû nous séparer. Sniff. Étoile pleure, étoile. Étoile renifle, étoile. Même pour Bucky, le trajet entre le Grand Pont et le quartier de Highgord est... J'ai pas lu le dernier mot. J'imagine que cela demande un effort important en effet. Vous me connaissez, Bucky ferait n'importe quoi pour ses clients, je vous amène quelque part. Pardon? Et vous voulez nous amener en barque à partir d'ici? Ça me paraît imaginable. Inimaginable. Apprenez, cher monsieur, qu'inimaginable n'est pas Bucky, ça pleure. Oh, ça pleure dans le chat, ça pleure fort. Aïe, aïe, aïe. À skip Cad a trompé Farod avec Pierre Ninet. Ne parle pas de sujets qui fâchent, s'il te plaît. Mousselon, vous montez à bord, Bucky vous amène où vous voulez, quand vous voulez. Non, non, c'est bon, merci, mais non merci, j'ai juste allé à droite. Bonjour. Il est là, le commissaire, ou pas là ? Bon, voilà, le commissaire Jack est prêt à vous recevoir. Le commissaire est un policier incroyablement doué. Faites preuve de respect. N'hésitez pas à lui signaler que je vous ai dit ça, d'accord? Le bureau du commissaire se trouve au fond du couloir. Ben, merci. C'est parti. C'est rien, il pleut. Nous allons enfin rencontrer ce commissaire futé. C'est ça? Quel surnom ridicule. Le commissaire manque peut-être d'humilité, mais il semble être un enquêteur de talent. Ne portons pas de jugement avant de l'avoir rencontré. Cinématique, cinématique, on écoute. Oh, c'est un gros hum ça. C'est une grosse porte qui s'ouvre ça. Ça lâche des gros hum. Je suis obligé de la placer la porte, désolé. Vous êtes l'archéologue qui s'est mis en tête d'enquêter sur le spectre, pas vrai? C'est exact, je m'appelle Herschel Layton, je suis enchanté de... Layton, hein? Jamais entendu parler, comment se passe votre enquête? Pour vous dire la vérité, elle ne fait que commencer, commissaire. Il a l'air plutôt ordinaire, ce commissaire futé. Mademoiselle Amy, chut. Commissaire Jack, est-ce que vous avez mené l'enquête sur la mort de Monsieur Bard l'année dernière? Non, j'ai demandé au charcutier de s'en occuper. C'est une blague. Vous croyez vraiment que la mort de Bard a quelque chose à voir avec le spectre? Je crois que l'hypothèse d'un lien entre les deux n'est pas à exclure. En effet, vous avez conclu que la mort de Monsieur Bard était un suicide. Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion? C'est simple, c'était la seule conclusion possible. En plus, on a trouvé son testament. Vous pensez vraiment que c'est une raison suffisante pour écarter toutes les autres hypothèses? Et vous, vous pensez vraiment que le fait de porter un chapeau fait de vous un flic compétent? Un idiot qui fait des proutes ou quoi là? Je ne mets pas en doute vos conclusions, commissaire, je veux juste confirmer certains faits. La voilà votre confirmation. Je sais que Bard est tombé dans le lac parce que quelqu'un l'a vu. Oui, il y avait un témoin, Clark Triton. Vous êtes bien renseigné, monsieur le maire a été témoin de la scène alors qu'il pêchait. Si vous contestez sa version des faits, allez donc lui dire vous-même. Très bien, merci de votre aide. Vous savez, vous feriez mieux de partir chercher je ne sais quelle antique babiole à présent. Plaît-il? Ah, Layton, vous savez comment on m'appelle? Pourquoi on m'appelle le commissaire futé? Oui, parce que vous avez résolu toutes les affaires dont vous avez été chargé sans exception. C'est parce que j'ai résolu toutes les affaires dont... Ah ben c'est ça. Et savez-vous comment j'ai fait? Eh bien, je ne saurais le dire avec certitude, je dispose de trop peu d'éléments pour répondre. Laissez-moi répondre pour vous. J'ai résolu toutes ces affaires parce que je vois tout. Je vois des intrus envahir ma ville paisible. Je vois le fils du maire qui se balade dans toute la ville avec ces mêmes intrus. Sauf votre respect, commissaire, nous avons été invités à séjourner à Mistaléry. Demandez donc à monsieur le maire si vous ne nous croyez pas. Tiens donc, est-ce qu'il vous a demandé d'entraîner son gamin dans cette histoire et de déterrer des affaires classées, comme la mort de Monsieur Bard? Mon père se moque bien de savoir ce que je fais. Et pourtant, je ne suis pas sûr qu'il serait ravi d'apprendre que Layton met son nez partout. Nous ferions mieux de partir. Layton, je vous ai à l'œil. Je veux que vous quittiez Mistaléry, et le plus tôt sera le mieux. C'est compris? Je vous laisse 24 heures pour ramasser vos petites affaires et rentrer à Londres. L'heure tourne, Layton. Vous n'avez pas le droit? Et pour qui vous vous prenez? Ce n'est pas juste. N'insistons pas, Luc. Tic-tac, tic-tac. Ok. Ça marche. Il est... Pas très bien. Je n'arrive pas à le croire, le commissaire Jack va trop loin, nous devons parler au maire. Nous allons y aller, Amy, la situation est des plus préoccupantes. Le rôle de la police est de protéger les gens, pas de les intimider. Qu'est-ce qui lui prend? Bien que j'ignore pourquoi, le commissaire tient à ce que nous abandonnions notre enquête. Nous ne devons pas nous laisser intimider, il est de notre devoir de découvrir la vérité. Et pour cela, nous devons parler à ton père, Luc. Ouais, c'est par là-bas. Je commence à fatiguer un peu, je dois vous avouer. Quand on sera arrivé à la fin du chapitre, on va s'arrêter là. Je sais pas dans combien de temps il arrive. Et sinon, je pense que je dépasserai pas les 23 heures ce soir. Ouais, je commence à bailler un petit peu, regarde. Oh, c'est très le bâillement là. Fou. Et puis en plus, il y a la rentrée demain, il faut que j'aille me coucher tôt. Ah non, c'est vrai! Je suis en vacances, let's go! Allez, c'est parti! Effectivement, il avait pas l'air très gentil. Je suis con à faire tout le temps le trajet comme ça, alors que il y a les barques. Je m'y fais pas aux barques. Parce qu'en fait, j'oublie toujours à quel emplacement elles y sont les barques, c'est pour ça. J'ai tendance à tout faire à pied. Alors. Bon, ouf, et en plus j'ai le ventre qui gargouille, je meurs de faim. Est-ce que Clark est ici? Chut, monsieur Layton. Oh, c'est vrai, Luc est sorti en secret. Oui, mais j'imagine que Clark a fini par se rendre compte que son fils était sorti. Oui, enfin, ou pas, du coup. Il est là, parce qu'en gros c'est la chambre, c'est ça? Monsieur Layton, monsieur Luc, monsieur Triton se trouve dans son bureau à l'étage. Ah bah, ok, j'ai eu tort. Ici, donc. Bonjour, ça va? Comment se passe ton enquête, Herschel? J'espère que Luc ne t'a pas causé trop de problèmes. Au contraire, Luc nous a beaucoup aidés. Clark, j'ai une question à te poser. Je t'écoute, que veux-tu savoir? Clark, j'aimerais que tu me dises tout ce que tu sais au sujet de la mort d'Evan Bard. Evan Bard? Ah, il a bien vu quelqu'un sauter, mais c'est peut-être pas lui, il était loin. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce que j'ai dit à la police. J'ai vu quelqu'un tomber du haut de la falaise, c'est tout. Je n'ai vu personne aux alentours, je ne savais même pas que c'était Bard qui était tombé. Il vient de le dire, il ne savait même pas que c'était Bard qui vient de tomber, en fait. Le commissaire Jack a conclu un suicide. Oui, c'était une conclusion logique, il n'y avait personne sur les lieux du drame. Qu'en est-il du testament? Pourquoi Evan Bard t'a-t-il choisi pour hériter de ses terres? Evan était un ami, il avait de l'esprit et j'appréciais sa conversation. Je suis sûr que tu aurais apprécié sa finesse, Herschel. Malgré notre amitié, je t'avoue que j'ai été le premier surpris lorsque j'ai appris pour le testament. Le commissaire Jack a affirmé son authenticité et a agi en tant qu'exécuteur testamentaire. Il s'est occupé de tous les détails pour moi. Du jour au lendemain, je suis devenu un grand propriétaire terrien. Ce n'est pas une mince affaire, crois-moi. Je suis encore noyé sous la paperasse aujourd'hui. Et qu'en est-il d'Ariana et de son petit frère ? Pour moi, ce sont eux les héritiers de plein droit. J'avais l'intention de gérer ces terrains jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, mais il est possible qu'Ariana ne vive pas assez longtemps pour voir ce jour arriver. Ainsi, tu sais qu'elle souffre d'une maladie incurable ? Oui, et c'est tragique. J'ignore ce que je ferais si une telle chose arrivait à Luc. Evan s'est toujours beaucoup occupé de ses enfants. J'ai été surpris quand j'ai appris qu'il n'avait rien prévu pour eux dans leur testament. Étais-tu toi aussi convaincu, comme le commissaire Jack, que la mort de Bard était un suicide ? Eh bien, on devrait pouvoir se fier au jugement du fameux commissaire Futé. Ah oui, je crois savoir que ce surnom vient du fait qu'il a résolu toutes ses affaires. Exactement, Herschel, cet homme a pratiquement éradiqué la criminalité à Mistalleri. En dehors des problèmes de spectres et de sorcières, évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire, Herschel? Je t'en prie, pour une fois, arrête de parler par énigme. Il est facile de classer une affaire quand il n'y a personne pour contester la version officielle. Hein, continue. Cependant, il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Herschel, tu ne serais pas en train d'insinuer que Jack est mêlé à la disparition de Bard? Monsieur, aimerait-il que je serve le dîner? Doland, vous m'avez fait peur, depuis quand êtes-vous là? Je viens à peine d'arriver, que monsieur me pardonne s'il ne m'a pas entendu frapper. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, bien sûr que non. Le dîner, excellente idée. Herschel, Amy, joignez-vous donc à nous. Nous avons quelques grands crus à la cave, Herschel, si tu veux bien descendre choisir une bouteille. Tu veux que je choisisse le vin? Monsieur préférerait-il peut-être que je me charge de choisir un vin pour accompagner le dîner? Non, non, notre ami Herschel est un fin connaisseur en matière de grands vins, n'est-ce pas? Eh bien, je serais ravi de voir les vins que tu as en réserve. Où se trouve ta cave? À la cave. D'accord. 3 points de suspension, suspect, oui. Bizarre, étrange. Je ne le comprends pas. Il est chelou. J'ai peur. Je ne savais pas que vous vous y connaissiez en vin, professeur. Y a-t-il un seul domaine dans lequel vous n'êtes pas spécialiste? Pour être honnête, je m'y connais beaucoup plus en matière de thé qu'en matière de vin. Et son ami doit le savoir, peut-être qu'il renvoie à la cave parce qu'il y a quelque chose de caché qu'il va voir. Je peux même dire que l'oénologie est loin d'être un domaine dans lequel j'excelle. Vraiment? Mais pourquoi Clark a-t-il insisté pour que vous choisissiez le vin? Il m'a semblé qu'il avait besoin d'un prétexte pour nous envoyer dans la cave. Nous y trouverons peut-être un indice, je pense que nous devrions faire ce qu'il nous dit. Pour accéder à la cave, il faut prendre la porte bleue qui se trouve sous l'escalier. Et c'est ça qui embête le majordome, parce qu'on va sûrement trouver quelque chose là-bas qu'on ne devait pas voir, si tu veux mon avis. Merci, la paline. Oh, comme le sel, la paline. 0311 Carisup pour son 10e mois. Petit passage pour lâcher mon prime sur du Layton, je regarde tout tes rediffs, t'es au top Farod. Merci beaucoup. Cette cave semble tout à fait ordinaire, je me demande ce que nous sommes censés voir. Qu'en penses-tu, Luc? Y a-t-il quelque chose qui te semble étrange? Non, mais j'ai plus le droit d'aller dans la cave depuis quelque temps, donc je ne suis pas sûr. Tiens donc, quelqu'un est descendu grignoter un morceau de tarte aux fruits en cachette, non? Comment? Mais pas du tout, c'était des éclairs, et ça n'a rien à voir. Chut, silence. Que se passe-t-il, Amy? J'ai cru entendre quelque chose, c'était peut-être mon imagination. Ou peut-être s'agissait-il d'une souris? Pardon? Oh, toutes mes excuses, Luc, je me demande si nous sommes passés à côté de quelque chose. Professeur Layton, y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider? Suspect. Non merci, Doland, ce ne sera pas nécessaire. Au fait, Doland, connaissiez-vous Monsieur Bard, vous aussi? Oui, je sais que cela ne se fait pas de dire du mal des disparus, mais Monsieur Bard était un propriétaire dur qui exigeait des loyers exorbitants. Certains pensent qu'il a été poussé du haut de cette falaise par un locataire mécontent. Je suis sûr que vous imaginez à quel point ce type de personnage peut faire l'objet de tous les ragots. Quel dommage qu'on ne se souvienne de lui qu'à travers cela. Beaucoup de gens connaissaient Monsieur Bard, et presque tous le méprisaient. Je ne devrais pas bavarder comme ça, si vous avez choisi le vin, je vais préparer le dîner. Dites, Doland, est-ce que mon père vous paraît étrange depuis quelque temps? Il m'a semblé préoccupé, je dirais. Il passe énormément de temps à son bureau. Oui, il est clair que Clark a beaucoup de choses à faire. Nous devrions y aller. Vous ne restez pas pour le dîner? Nous allons devoir remettre cela une autre fois. Transmettez mes excuses à Clark. Merci de votre aide, Doland. C'était un plaisir, faites attention à vous. Les deux sont suspects. Doland comme Clark, les deux sont suspects. C'est une belle cave à vin, mais les bouteilles ne sont pas très bien rangées. Peut-être que Dolan n'a pas eu le temps de s'en occuper. Les bouteilles ne devraient pas être laissées ainsi par terre. Range-en-les avant que quelqu'un ne les casse. Nouvelle énigme. Merci beaucoup Sixa18 qui a resub pour son 20e mois. Effectivement, ça va bientôt faire 2 ans. Félicitations. Alors, 50 picarats. Ouf! Le moment est venu de ranger ces grands crus de manière convenable. Pour cela, les règles suivantes doivent être respectées. Il ne peut y avoir qu'une seule bouteille de vin blanc par rangée, colonne ou diagonale. De même, il ne peut y avoir qu'une seule bouteille de vin rouge par rangée, colonne ou diagonale. Les 2 bouteilles déjà rangées ne peuvent être déplacées. Saurez-vous les ranger correctement? Oui. 2 bouteilles? 2 bouteilles? Attends. Il ne peut y avoir qu'une seule bouteille de blanc par rangée. Ah non, qu'une seule bouteille. Il peut y avoir qu'une seule bouteille de vin rouge par rangée. Bah c'est trop chiant. Attends. Par rangée? Mais c'est complètement stupide, cette histoire. Enfin. Aïe, j'ai mal aux fesses. Attends. 2 secondes, je réfléchis. Par exemple, si j'en mets une ici, que j'en mets une ici, et que j'en mets une ici, hop, les lignes c'est ok, je crois, les colonnes c'est ok, la diagonale, attends, clac, clac, ah non, c'est pas ok du tout, c'est pas ok du tout, attends, là je peux pas la mettre là, je peux pas la mettre là, donc c'est un des 3, imagine je la mets là, je peux pas la mettre là, je peux pas la mettre là, pas là, pas là, là, je peux pas la mettre là, je peux pas la mettre là, je peux pas la mettre là, je peux la mettre que là, je peux pas là, bah c'est là, et là la diagonale c'est bon, ça embête personne normalement, je vérifie les diagonales partout, ok, la rouge on recommence, ok je peux pas la mettre là, je peux pas la mettre là, je vais la mettre là, je peux pas la mettre là, je peux pas la mettre là, ni là, ni là, donc je peux la mettre que là, je peux la mettre que sur ces 2, mais là c'est une diagonale qui embête, et là sur sa diagonale il n'y a personne, et le dernier bloc de livre c'est ici, la diagonale il n'y a personne. C'est fini, ça fait un joli dessin. Oui, je suis confiant. Je n'ai fait que mon devoir de gentleman. De gentleman. Ah, il y avait deux façons différentes de le faire. Merci beaucoup Davix, qui a sub en Prime, c'était il y a 1 minute, pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue à toi, j'espère que le stream te plaît. Parfait, tout est bien rangé à présent. C'était plutôt amusant. Merci pour les GG, le chat. Hop là, une pièce. Un cube. Hop, une pièce. Et on peut sortir de là. Et on sort de la résidence même. Et il va y avoir une cinématique, ils vont parler. Professeur, à quel jeu jouons-nous? On joue à Professeur Layton et l'appel du spectre. Voilà. Nous avons lu les rapports de l'incident et interrogé le seul témoin, Clark. Et Deux secondes, pardon. Malgré cela, bien des questions relatives à la mort d'Evan Bard restent sans réponse. En outre, le fait que l'existence du spectre soit gardée secrète en dehors de Mistallery me trouble. Je suis fou. J'ai l'impression que quelqu'un se donne beaucoup de mal pour manipuler la vérité. Nous avons donc un rapport de police falsifié et une véritable conspiration en marche. Cette affaire est plus complexe qu'on aurait pu le croire, mais qui peut être derrière tout ça? il n'y a qu'une personne qui ait les ressources et l'influence nécessaires pour cela. Et à qui penses-tu, Luc? Au commissaire Jack. Je ne vois personne d'autre. Luc a parfaitement raison. Le commissaire Jack est la seule personne en ville capable d'orchestrer tout cela. Il est censé être au service de la population. Une telle attitude serait impardonnable. Hélas, certaines personnes, même haut placées, ne sont pas dignes de confiance. En tout cas, il est certain que le commissaire ne nous a pas dit tout ce qu'il savait. Nous devons découvrir ce qu'il nous cache. Reprenez l'enquête en ville. Oh, inspecteur Groski, vos muscles luisent dans la campagne comme ils luisent à Londres. Elle l'a suivi jusqu'ici, c'est affolant. Encore vous, mais que faites-vous ici? Pour mon Groski, j'aurais été prête à aller jusqu'au bout du monde. Heureusement, ça n'a pas été nécessaire. Il m'a suffi de prendre un taxi jusqu'ici. Amy, cette dame est-elle l'une de tes amies? On s'est déjà rencontrés. Je suis tombé sur elle à Londres. Groski cherche quelqu'un. Je crois qu'il a dit qu'il avait une piste. Quel homme! Sa détermination est sans égale. Si seulement c'était moi qui cherchais avec cette fougue. Il a dit qu'il avait une piste? Par où est-il parti? Il vient de partir dans cette direction. Il est probablement arrivé au carrefour maintenant. Nous pouvons peut-être le rattraper. Dépêchons-nous. Oui, dépêchons-nous. Attends, elle a peut-être une énigme? Elle n'a pas d'énigme. Je ne veux même pas entendre ce que tu vas me dire. Tu es trop bizarre. Tu pourras t'arrêter après. C'est un moment creux, je crois. Un moment creux? C'est-à-dire quoi? Non, moi j'attends quand même la fin du chapitre. Ça m'embête de m'arrêter en plein milieu d'un chapitre en soi. Qu'est-ce que c'est? Oula! Professeur! C'est pas net. Laissez-moi m'en charger, je vous prie. Ouais, Amy, c'est la daronne dans Spy Family en fait. Regarde. C'est incroyable. Non mais c'est elle en fait. Chapeau, elle est incroyable. Tes méthodes sont un peu surprenantes, mais c'est du bon travail. Merci. Si vous avez besoin d'un peu d'entraînement, vous pouvez venir me voir, professeur. N'hésitez surtout pas. Je m'en souviendrai. Qui sont ces types? Vous croyez qu'ils travaillent pour Jax? On dirait. Le commissaire semble vraiment tenir à ce que nous quittions Miss Tallery. Ces hommes ont-ils tué Monsieur Bard? Malheureusement, nous ne pouvons pas le savoir. Layton, Amy, vous tombez bien, je vous cherchais partout. C'est Sonic. Je suis sur une piste solide dans votre histoire de Spectre. Vraiment, c'est une excellente nouvelle, inspecteur. J'ai parlé au commissaire, c'est un sacré gaillard. D'après lui, un gentleman avec un haut de forme et une jeune fille vive. Une jeune femme vive. Et une jeune femme vive, de couleur vive, ou en vie, ont enlevé le fils du maire. Toujours d'après lui, ils se font passer pour des enquêteurs alors qu'ils contrôlent le spectre. Sans vouloir vous vexer, le nombre de suspects correspondant à cette description est plutôt réduit. C'est le moment de vous expliquer, Layton, où est la vérité dans tout cela. Ce qui est certain, c'est que le commissaire Jack n'est pas ravi de notre présence en ville. Ne vous laissez pas embobiner, inspecteur, c'est Jack qui est derrière toute cette histoire. Comment? Jack? Ainsi, il essaye de se jouer de moi. Moi, inspecteur Groski? De Scotland Yard, je ne tolérerai pas une ruse aussi vive. Vite, j'ai pas lu. Inspecteur, attendez! Il va... Mince, il est trop rapide. Oui, suivre l'inspecteur Groski est loin d'être facile, je coupe mon micro. Et je le rallume. Professeur, nous n'avons même pas pu lui expliquer la situation. Ne devrions-nous pas essayer de le rattraper? Non, je ne veux pas prendre le risque de tomber sur le commissaire Jack. Reprenons notre enquête. L'attitude du commissaire à notre égard risque de nous compliquer la tâche, et c'est très inquiétant. Oh, quel hasard! Il est 22h57, le timing parfait. Ça va nous proposer un nouveau chapitre, du coup. Face au spectre. Oh, face au spectre, on va voir la tête du spectre. Oh, c'est pour la prochaine fois, ça. C'est pour la semaine prochaine. Non, on va attendre. Et bien voilà, nous y sommes. Ce sera la fin de cet épisode pour ce soir. On aura joué 2h30. Donc ça va, ça fait un beau petit épisode. Effectivement, comme vous dites, le chat, au revoir YouTube. Merci d'avoir regardé YouTube. On te fait des bisous. À la prochaine pour de prochaines rediffusions YouTube. Bye bye.